J'aime me beurrer la biscotte. Tout à fait. Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite et peut-être la fin de Norco. Que nous avions commencé, nous sommes à la cinquième saison. Désolé, mais j'ai pas joué jeudi parce que jeudi j'étais au bout de ma vie, j'étais malade et ce week-end j'étais vraiment hyper occupé. Donc, du coup, voilà. Donc, nous étions dans Norco, on s'était arrêté. Alors, si je me souviens bien, on était revenu dans le présent. On était de nouveau retourné avec Kai. Alors, je vous fais juste aussi le petit coucou sur le chat pour qu'on puisse... Est-ce que ça puisse me lancer? Me lancer les alertes et les effets et les tutti quanti, you know, comment ça marche. Voilà. Donc c'est parti, allez, vraiment, on se remet dedans. Donc nous nous étions arrêtés. Ouais, le 13, hein, ça fait 10 jours. Hein. Nous n'avions pas joué au jeu. Enfin, une semaine. Lui, on l'avait fait. Donc on avait fait... Alors attends, pour se remettre... On avait réglé tout ce qui était l'histoire des Gareth. Voilà, un homme porte du peinture. Hein. Oui, c'était le monsieur épée. C'était les Gareth. On avait été voir l'enquêteur. L'enquêteur nous avait dit. Nous avait dit d'aller. Je ne sais plus. On avait la bague. C'était quoi? On était tombé inconscient pour l'histoire du... Quand on avait été revoir l'oiseau, hein, c'est ça, on était tombé inconscient. D'ailleurs, on sait pas où est le flic. On a toujours un mystère mystérieux ici. Alors, attendez, voir. Parce que du coup, je sais même pas tellement où est-ce qu'on peut aller. Je crois qu'on avait été à la taverne, il y avait juste le serveur. Voilà. On avait regardé les infos où il racontait qu'il y avait eu du coup l'explosion. Voilà, à Chilwon. D'accord. Ce type lui est tout sauté. Bah, attends, de toute façon, il va peut-être nous dire. Tenez le coup. Alors. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Je faisais confiance à Millian. Ah oui, non, oui, mais bien sûr. Voilà, mais comment j'ai pu oublier. Mais oui, c'était le coup du million de notre robot sympathique qui était en réalité un espion de la nanette, là, qui s'est tiré une balle. Machin Sinclair, là. Et oui. Et le Flash nous avait fait... D'accord, oui, c'était ça. Il s'était, ouais, limite autodétruit, en fait. Ça commence à faire beaucoup. Je suis pas surpris qu'elle ait laissé un tel bazar derrière elle, sa mort. Gardez bien la tête droite, ok, on va retrouver Blake. Et après, vous pourrez repartir et oublier cette ville pour toujours, si c'est ce que vous voulez. Et je vais vous dire, si vous avez de la place dans votre pick-up, je pourrais tenter de vous accompagner. Je faisais confiance à Minion. Je vous l'ai dit, je lui ai jamais fait confiance. Oh, que non. Je me suis toujours dit qu'elle espionnait pour le compte de Thomas Sinclair. Oui, et puis on avait récupéré aussi le téléphone de la mère. Il y avait le truc du disque crânien. Les mails, bah, du coup, c'est les mails de Catherine. D'accord. Ouais, le détective, on peut plus y retourner de toute façon. Bon, on peut retourner à la maison. Ah. Heureusement que je vous ai trouvé et je suis entré par la grande porte. Ça m'a juste pris une minute ou deux pour déterminer d'où venait le bruit jusqu'à ce que je monte au grenier. Il y avait une échelle qui descendait sous un truc de cagibi. On se serait cru dans une foutue maison hantée. Quand je suis arrivé, ce robot avait ses griffes autour de votre cou. Alors je vous ai donné un coup de pied pour vous éjecter de là.
Je suis sans doute allé un peu fort d'ailleurs. La tronche du robot était ouverte. Elle avait, je ne sais même pas ce que c'était, putain, un genre de grosse tumeur luisante qui flottait au milieu de sa tête. Elle a essayé de refermer son visage pour protéger ce truc, mais j'avais déjà dégainé mon 9 mm. Je lui ai balancé plusieurs bastos avant que sa tronche se referme. Elle a poussé un genre de gémissement et s'est effondrée. C'était pas évident de vous remonter à l'échelle, mais j'ai réussi. Allons vérifier que le robot est toujours là-bas. Et on en profitera pour jeter un œil dans cette pièce dérobée. Oui, c'est vrai. Je me souviens maintenant. On avait élucidé le mystère de la carte. Du truc du disque crânien qui avait été ouvert par cette statue. On avait été dans la fameuse zone secrète de la mer. Et qu'on avait été dans la zone secrète de la mer, le robot s'était déclenché. Tout à fait, tout à fait. Ça y est, ça me revient. Ça me revient. Bon, là, de toute façon, on va retourner au grenier, hein. Voilà. C'est là que je l'avais laissé. Si vous voulez mon avis, elle n'ira nulle part. Qu'est-ce que Catherine pouvait bien fabriquer dans cette pièce? Franchement, cet endroit me donne la chair de poule. Alors. Non, c'était espace. Oui, on avait. On avait déjà un peu de check, mais je pense que maintenant on va peut-être pouvoir interagir avec d'autres trucs. Je vais quand même les refaire. La lampe. La carte du lac. Des fois que l'autre il nous parle aussi. Du coup, l'ordinateur. Une publicité pour un programme anti-malware se répète à l'infini sur l'écran de l'ordinateur. L'appareil électronique bon marché posé en 101. Le câble USB est relié au truc. Disque crânien. Aucune connexion Wi-Fi détectée. C'est quoi ce truc? Pilote corrompu. L'appareil nécessite une mise à jour. Kate? Connectez-moi en ligne. Ce répondeur commence à me courir sur le haricot. Si on connectait à Internet, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va pas pouvoir connecter Internet en utilisant le robot? C'est un brouilleur de signaux militaires. Pas étonnant que je capte rien dans mon bureau. Un seul de ces appareils suffit à couper la connexion de tout le quartier. Peut-être qu'on le désactive en fait. Ce brouilleur de signaux est assez puissant pour déglinguer le réseau sans fil de tout le quartier. Faut de l'expertise pour désactiver un de ces trucs. Vous voulez que je m'en charge? Alors, est-ce qu'on le fait nous ou est-ce qu'on le laisse? Je devrais réussir. Vous débranchez le brouilleur de signaux. Ce truc devrait être connecté maintenant. Attends, on va quand même checker le robot avant. Vaut mieux éviter de regarder, Kay. Cessez d'y penser, ok. C'était pas celle que vous croyez. Vous frôlez le visage et vous restez le million, et plusieurs morceaux de verre tombent par terre à côté de ces mains inertes. Il n'y a plus la moindre étincelle de vie en elles. Voilà, bon, bah le robot rip. Du coup, maintenant, connexion Wi-Fi détectée. Ah, voilà, on va peut-être pouvoir rentrer en connexion avec notre mère. Installation du pilote. Installation terminée. Attention, une fonctionnalité critique de type entrée-sortie a été désactivée. Pour interagir avec cette instance, veuillez installer votre disque crânien préféré sur votre appareil mobile. Pour de plus amples informations sur les options d'hébergement, veuillez accéder dès aujourd'hui au site internet de la clinique de versionnage neuronal de la Nouvelle-Orléans. Un client de disque crânien, vous en avez un sur votre téléphone clé, Kay. D'accord. Attention, une fonctionnalité critique de type a été désactivée pour interagir. Oui, d'accord, c'est bon. Il faut le faire directement avec le phone. Voilà. Voilà. Donc là, on peut se connecter avec Catherine Madère. Là, c'est vraiment ouais, l'association de téléphone, quoi, avec le. Let's go. Compression des artefacts locaux résolus. Création de la connexion à distance. Kay. Énumération des items. Kay. Je parle à ma fille. Catherine? Oui. C'est une blague, non? Tout le monde se fout de moi parce que je suis bourré, c'est ça? Module d'énumération des visages. Conflit détecté. Pouvez-vous attaquer Kay? Attaquer Kay? Tu as parlé de Million? Qu'est-ce que Million? Qu'est-ce que tu racontes, Kate? Et qu'est-ce que c'est que cette conversation d'abord? Vous prenez le téléphone à Leblanc.
Alors, Oui, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment notre mère, c'est la les souvenirs enregistrés, c'est une IA qui utilise les souvenirs de la mère pour nous parler. Bon, qu'est-ce que tu es au juste? Je suis Catherine Madère, 52 ans, identifiant novembre YX2RV1.0.10. Je suis hébergé sur un disque dur externe de type Headshot. Headhot, pardon, Headhost, oh là là, de 32 terabits, sans accès au cloud. Il nous faut trouver Blake. Qu'est-il arrivé, chérie, à mon fils? Il a disparu. Blake a disparu? Il est perdu. Son visage n'est qu'une ombre. Tu sais où il pourrait être, Kate? Blake a disparu. Ce téléphone est cassé ou quoi? Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Mignonne? Erreur d'énumération. Je suis désolé, je ne connais pas Million. J'ignore ce qui est arrivé à Million. Ah, oui, mais après, c'est possible qu'elle ne connaisse pas Million. Parce qu'elle avait peut-être fait sa sauvegarde de disque dur avant le robot. Non, non, bah non, parce que quand j'ai fait l'enregistrement, justement, j'ai dit que j'ai donné des infos sur Million. On avait une tête. Par contre, est-ce que c'est un souvenir que j'avais gardé de. Ah, je crois que j'avais pas gardé les souvenirs du robot, en fait. Il faudrait que je regarde dans mes. Je regarderai dans mes replays, mais je crois que j'avais pas gardé le souvenir du robot. Dis-nous de quoi tu te souviens. À propos de moi. Tu es mon enfant, la session est-elle terminée? Mon aîné, je me souviens que tu te tenais à ma jambe lorsque tu étais encore bébé et que tu apprenais à marcher. Ça ferait vraiment le truc qui serait le dû, en fait, tu sais, avec le système de Google Trad vocal, vraiment avec cette voix un peu robotique, synthétique, dégueulasse, là. À propos de Blue, merci de spécifier. Que veux-tu dire par Blue? C'était mon ton mari. Kay, est-ce que tu m'entends? Kay, s'il te plaît. Je ne sais rien sur Blue. Aurais-je oublié Blue? Oui, c'est ça. C'est par rapport au truc qu'on a fait. On n'avait pas gardé les souvenirs du mec. La maison était sombre et je ne distinguais pas cette silhouette. S'agissait-il de Blue? Oui, là, ça reprend les trucs qu'on avait fait en choix de souvenirs, je pense. Je me souviens de nombreuses choses au sujet de Blake. Je le revois en pleurs. Il ne voulait pas que je meure. M'a-t-il demandé de ne pas mourir? Suis-je morte? Et qu'est-ce que tu te souviens? Là, sur la chaise où j'étais assise, la pièce était sombre, le médecin m'a posé des questions. Suite à ce rendez-vous, j'étais censé rencontrer Super Doc. À propos de Super Doc, Super Doc est la conscience versionnée de Doc. La quoi? Merci de répéter la question. Kate, pourquoi est-ce que tu allais voir Doc? J'allais voir Super Doc, un rejeton de Doc, une difformité. Mais pourquoi, Catherine? À cause de ce que j'avais vu, de ce que j'avais vu dans le lac. Kay, vous êtes bien allé voir Duke? Mais je vous l'avais conseillé. On ferait bien d'aller voir, de lui rendre une autre visite, parce que franchement, je pige plus rien là. J'aurais autre chose à te demander. Non. Ce répondeur a mentionné Doc. Passons par Dims pour aller lui parler. Lui pourra peut-être nous expliquer tout ce délire. Ok. Ouais, donc on pourra se reconnecter plus tard. Écoutez, pour l'instant, on va se cassos. Alors, on va faire la petite save qui va bien, hein, bien sûr, comme d'hab. Ensuite, donc il avait dit d'aller voir machin à Dims. Voilà. Mon Dieu, que se passe-t-il? Je crois qu'il va falloir refaire tous les endroits pour retrouver des interactions avec les Garrett. Il doit y avoir des Garrett un peu partout. Comme je disais à la fin, il faut retrouver les 6 Garrett. L'annexe chimique de Wall se dresse loin de la maison. Ouais, c'est ça, c'est les Garrett. Deux adolescents portant des costumes bon marché bloquent la porte. Chacun arbore un badge indiquant Garrett. Il doit s'agir des collègues de travail mentionnés par le guignol qui traînait devant mon bureau. Le blanc dévisage les deux adolescents.
Joyeux Halloween, les enfants, vous ressemblez à deux canettes de soda. Et défense de marcher sur la pelouse. Alors comme ça, vous travaillez tous avec le gamin qui traînait devant mon bureau. On travaille juste pour nous. On n'obéit à personne, nous. On est des Garrett dissidents. Bref, où est Doc? Où est Doc? C'est ce que je viens de vous demander. De svult pourriture. Pardon, jeune homme, tu me cherches? Ah, est-ce qu'on va se battre? Est-ce qu'on se, on va se, peut-être se battre avec eux? Par contre, on a que lui pour... Continue comme ça et je te botte les fesses. Quoi? Butons-le, ce dégénéré. J'en sais rien, mec. Je veux dire, je pourrais si je voulais. C'est juste que... Silence, Garrett. J'y vois que dalle avec ce truc. Courage, les barbares sont à nos portes. L'adolescent se tourne vers le blanc. Prépare-toi à mourir. Oula. Ah oui, c'est Kay, d'accord, c'était Kay qui attaquait. Attends, parce qu'on connaît pas les attaques de Leblanc, quoi. On va déjà commencer lui. Ah, ça a pas pris, d'accord. Ok. Oh, lui, il a quoi? J'en ai marre de ces conneries. Qu'est-ce que c'était que ça? Allons voir comment va Doug. J'avoue que je suis pas rassuré. C'est bon, on a eu les gamins. La maison est partiellement condamnée. Les planches ont sans doute été clouées. Oui, c'est vrai. Vous pouvez rentrer. Ah. Doug, hey Doug, Clay, t'es là, mec? Ça fait des années qu'il a pas quitté sa maison. Qu'est-ce que ces gosses ont bien pu faire de lui? C'est vrai que là, il a pas l'air d'être... Il y a une lettre manuscrite à l'écriture difficilement déchiffrable sur le bureau. J'aurais jamais cru que ça dégénérerait à ce point. Tout est parti en ville. En vrille, quand il nous a ordonné de ligoter le gosse de la morte. Le gosse de la morte. Kay, vous croyez pas que... Si. Ah, si, c'est le frangin. Et puis, il a balancé la tête de John dans l'eau. Qu'est-ce que... Succès, vous avez débloqué tous les points d'accès de la carte mentale. Ah bah ça y est, on a le dernier truc. Et les yeux de John, c'était bien, c'était pas les siens, ils brillaient, j'oublierai jamais. Tous les garettes autour de la fusée fouillent partout pour tenter de trouver sa tête. J'aimais pas vraiment John, mais tout le monde mérite d'être enterré. On sait qu'il l'a balancé du bateau aux coordonnées suivantes. Elle, latitude 30,077, longitude moins 90,366. Mais il y a tellement de sédiments dans le lac qu'on n'y voit que dalle. Je vais quand même les noter. Parce que pour le coup, vu que c'est marqué en vert et que ça nous recommence comme le truc 30,077 moins 90,366. Parce que si c'est comme pour l'histoire des chiffres là pour les codes, finalement. Fallait quand même les noter. Je commence à me dire qu'on la retrouvera jamais. Ce sera tout pour le moment. Faites bien gaffe, les gars. Ses coordonnées, c'est le lac Pontchartrain. Il fouille les marais. Le blanc vous tend la note. Mettez-la dans votre poche. C'est ce qui ressemble plus à une piste parmi ce qu'on a. Le gosse de la morte, c'est peut-être bien votre frère. Oui, je pense aussi. Alors attends. Ça, petite, vous tenez le coup? C'est quoi cette lettre qu'on a trouvée? Apparemment, il cherchait une tête dans le lac, aux alentours des coordonnées indiquées. Mince. On finira par piger gamine, c'est mon boulot après tout. D'accord. Du coup, carte mentale. Ah, alors. Vu qu'on a débloqué un truc des garettes. Les garettes. Vous pourriez bien avoir kidnappé votre frère. Chez Doug, vous avez trouvé une note laissant penser que les garettes pourraient bien avoir kidnappé Blake. Les garettes. Semble chercher une tête tranchée. Quelque part dans le lac. C'est tout. Voilà. Merci, au revoir. Donc, ça, c'est pour les gars. Ils cherchent une tête. Là, on a quoi? On a Million. Ça va conclure Million. Sauf je pense qu'on n'est pas loin de la fin. Million était une androïne qui a été abattue de plusieurs balles en pleine tête. Suite à la découverte du disque crânien de votre mère, Million vous a attaqué. Fort heureusement, Leblanc passait dans la rue à ce moment-là, entendant le vacarme, il a volé à votre secours.
Découvrant la scène, il a tiré plusieurs balles dans la tête de Million, détruisant ainsi son processeur. Oh. Voilà, donc Million s'est fait, et donc on a ça, c'est le dernier truc, c'était la tête engloutie. Par contre, on a du flou. Hein. On a flou pour le client, on a flou pour le truc du lac, et on a flou pour le rapport de construction. Ouais, c'est tout ce que je sais. Ouais. On n'a pas le... Il y a une tête dans le lac, les Garrett la cherchent activement. D'accord. On a Kodak, mec. Mais ici, il n'y a que ça. Ouais. Oh là. Oh, bon sang. Hey, Duck. Qu'est-ce que... Hey. Duck s'avachit soudain dans son fauteuil, comme s'il était en train de perdre connaissance. Leblanc lui secoue l'épaule et claque des doigts à plusieurs reprises devant ses yeux. Il respire encore. Allez, grand-père, réveille-toi. Duck écarquille lentement les yeux. Brett. Il tente de sourire. Oui, ça, quel sujet. T'as pas l'air en forme, Clay. T'as besoin d'aide, mon vieux. Je faisais juste une petite sieste, c'est tout. Les jeunes loupards sont toujours devant chez moi. On s'est chargé de... Duck se tourne devant vous. Parle-moi, Kay. Tu as réussi à récupérer les affaires de ta mère, là, la raffinerie? Oui. Et qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce qu'on lui dit la vérité? Ouais, allez, vas-y. Une fausse carte de réduction déverrouillant une pièce secrète. Sérieux, d'un seul coup? C'est plus que la trine, c'est James Bond. On dirait que ça te surprend, Brett. Personnellement, je ne me suis pas surpris. Catherine était comme ça. De prime abord, elle était tout à fait normale. Impossible d'imaginer ce genre de choses à son sujet. On ne se serait jamais douté en la voyant. Mais c'était un déguisement, un costume qu'elle portait. Elle était maligne. Et elle cachait toujours des tas de choses. Qu'est-ce qui se passe ici, mon pote? Qu'est-ce qu'il fabrique, ces gosses dehors? Les deux plus jeunes se sont retrouvés séparés du reste de la meute. Ils sont venus en bande tout à l'heure et ils m'ont posé tout un tas de questions auxquelles je connaissais pas les réponses. Quand je pense que tout ça, c'est à cause de ce truc. Il tend difficilement une main extrêmement frêle en direction de l'objet posé sur son bureau. La plus grosse erreur de ma vie, je ne sais pas comment ils ont réussi à mettre la main dessus. Je croyais l'avoir perdu il y a des années, mais c'était logique qu'ils reviennent me hanter, j'imagine. Enfin bref. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les appareils beeper qui marchaient jamais. Mais comme on a enlevé le brouilleur de la mer, ils sont peut-être actifs, il y en avait un sur le toit du truc là. Pour essayer d'y aller. Ah, attends, maintenant, attends, parce que si je dis pas de conneries. Bah non, le toit c'était dans le souvenir de la mer quand on est monté tout en haut. Ou c'était avec Kay, je sais plus maintenant. Quand il y avait l'énigme. Non, c'était. Bah non, c'était avec le vieux. Non, c'était avec. Oui, avec l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? Le disque crânien pourri dont je t'ai parlé plus tôt. C'est mon cerveau qui enregistrait dedans. Ah non, oui, d'accord, on parle bien des disques crâniens, d'accord. Il a donné naissance à ce monstre qui se fait appeler Super Duck. C'est dans, c'est dans cette histoire que ta mère s'est retrouvée embraguée. Mais le disque crânien a l'air plus ou moins cassé maintenant. Dis-moi plus sur les intrus. Oula, où sont-ils allés? J'en sais rien. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'ils voulaient au juste, mais ils ont mentionné ta mère. Ils ont dit qu'ils l'avaient. Ils tiennent Kate? Mais comment c'est possible? C'est ce que je me demande. Catherine est dans un cercueil sur Riverworld. Ces chrétiens étaient peut-être sans doute quelqu'un d'autre. Oui. Et c'est vrai par contre aussi qu'on avait été à l'hôpital et qu'il disait « Vous inquiétez pas, on s'occupe d'elle et vous allez bientôt la rejoindre. » Qu'est-ce qu'il pouvait bien lui vouloir? Tu crois que je le sais, Brett? Et Blake, ils ont parlé de lui? Non, ils n'ont rien dit à ce sujet. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il soit lié à cette histoire, hein, celui-là. Il tient de son grand-père. Ok. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils m'ont demandé de parler au disque, d'interpréter ce qu'ils disaient. Apparemment, ils cherchaient un rocher... non, une pierre. Je leur ai rien dit, je ne veux plus rien avoir à faire à ce disque crânien, il est maudit. Mais on dirait qu'ils ont fini par comprendre d'eux-mêmes, parce qu'ils ont filé sans demander leur reste. Pourquoi n'ont-ils pas emporté le disque crânien avec eux? Le chaos était tel que j'avais du mal à suivre ce qui se passait. Ils se criaient tous dessus, c'était incompréhensible. Et il n'en savait manifestement pas plus que moi. C'était un bazar innommable. On aurait dit que personne ne savait à quoi faire.
Et puis, subitement, ils sont partis. Comment ont-ils fait pour trouver le disque crânien? Comme je l'ai dit, je n'en ai pas la moindre idée. J'imagine qu'ils se sont retrouvés face à ce monstre et qu'il leur a volé quelque chose. Et après, peut-être qu'ils ont fait des recherches et qu'ils ont découvert l'existence du disque crânien qui est la cause de tout. Ils se sont peut-être dit que s'ils faisaient ça, ils trouveraient ce qu'ils cherchaient. D'accord. Comment ont-ils pu savoir que le disque crânien était le tien? Ça, c'est simple. Il y a mon nom dessus. D'accord. Ouais, merci. Je n'ai plus de questions sur les intrus. Nous allons chercher de l'aide. Non, t'en fais pas pour moi. Une petite sieste, c'est tout ce que j'ai besoin. Hors de question, j'appelle. Tu n'appelleras personne, Brett. Calme-toi, tu veux? Tu crois que c'est moche, ce qui m'arrive? Je suis dans cet état depuis des années. Te bille pas pour si peu. Je suis assis dans cette maison depuis des années, pour ainsi dire, incapable de marcher. Les bons jours, ça fait longtemps que j'en ai plus connu. Si tu veux m'aider, passe me voir de temps en temps, d'accord? D'accord, Clay, compte sur moi. Bien, c'est tout ce que je demande. Ok. Ok, mec. D'accord. Donc, alors. Parfait. En plus, on l'a synchronisé. On dirait que le truc qu'avait Kate... Attends, on dirait le truc qu'avait Kate. Quand est-ce que tout le monde a commencé à en avoir et personne n'a pensé à en parler aux potes de Brett? Vous croyez que votre téléphone pourra s'y connecter comme de l'autre? Oui, et de toute façon, c'est ce qu'on allait tenter de faire. Parce que là, du coup, on devrait se connecter à SuperDuck en passant par là. Ce qui peut être fort, fort utile. Suspense. Voilà, on a rajouté Clinton Richard. Let's go. Ping réseau détecté. Réseau en détresse, mode sans échec d'urgence déclenché. Point d'accès principal au stade terminal. Latitude, moins 30. Ah, purée, je vais noter. C'est pas les mêmes. Moins 30. 0,632. Longitude. Moins 90. 34. 28. Ok. Ces coordonnées aboutissent au milieu du lac. Comme celle qui était indiquée sur cette note. Vous avez fait le plein? Parce que quelque chose me dit que c'est le moment de prendre votre pick-up pour aller faire un petit tour en lac. On y va quand vous voulez. Dac. Magnifique. Alors, attends. Carte du monde est inaccessible. Hein. Alors, ce que je vais juste faire... On va sortir. Ok. On va sauvegarder, déjà. Mince. Voilà. Et j'ai envie de checker un truc. Alors. Parce que du coup, on était revenu. On a fait chez nous. On a fait Dims. La taverne, on l'a faite. Le lac, du coup, il s'est rajouté. Il est là. J'allais voir le discount s'il n'y a personne. Juste pour voir s'il y a des galettes quelque part, tu vois. C'est juste pour le fun, s'il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Bonsoir, que puis-je pour vous? J'ai besoin de rien. Ok, au revoir, c'est fait. Là, il y a Chi. Non, pour les lois dans le bois, mais dans le bois. Le bois, il n'y a rien. Non. D'accord. Donc là, il n'y a rien. Ici, on avait fait la maison. On a fait le discount. Et la taverne. Ok. Juste pour voir si vraiment il n'y a pas un truc à faire. Alors, on pourrait aller au mausolée encore une fois, mais à mon avis, ça ne sert à rien. Mais il n'y a personne là. L'approchant de l'église, vous tentez d'ouvrir la porte, mais elle est fermée à clé. C'est obligé qu'à un moment, on devra y aller. C'est bizarre quand même que cet endroit ne sert à rien. Bon, bah là, il n'y a pas plus de monde. On va quand même aller voir, mais à mon avis, l'hôtel va encore nous faire chill. Je suis pas prêt de te pardonner pour beaucoup de temps si tu veux tout savoir. D'accord, je comprends, désolé. Elle veut pas. Vraiment pas. Ça va, petite, vous tenez le coup? C'était quoi ces chiffres balancés par le disque crânien de Duck? Des coordonnées qui correspondent au milieu du lac. C'est ce qu'on a qui se rapproche le plus d'un indice. Je suggère d'y aller.
terminez ce que vous avez à faire et puis on y va. D'accord. Ah oui, on avait d'autres trucs à développer. Donc, toujours les garrettes. Les garrettes, pour y détenir Blake et votre mère. Chez Doug, vous avez trouvé une note laissant penser que les garrettes pourraient bien avoir kidnappé Blake. Doug les a également entendu mentionner le fait qu'il détenait votre mère. Les garrettes ont trouvé le disque crânien de Doug. Ils ont réussi à trouver le disque crânien qui a donné naissance au monstre super, surnommé Super Doug. Doug pense que Super Doug leur a volé quelque chose et qu'il cherchait à le récupérer. Ils ont apporté le disque crânien à Doug pour forcer ce dernier à communiquer avec, mais il a refusé. Les garrettes sont totalement désorganisées. Duke affirme que quand les garrettes ont quitté sa maison, ils avaient l'air de ne pas savoir où ils étaient, comme s'ils n'avaient plus de chef. D'un autre côté, ils sont partis sans demander leur reste, ce qui laisse à penser qu'ils ont peut-être trouvé ce qu'ils cherchaient. Voilà, ça c'est fini pour les garrettes. Du coup, là, ça y est, on a le... Ah, mais le client, c'est pas l'oiseau. Super Duck a engagé votre mère. Peu de temps avant sa mort, votre mère effectuait des recherches pour le monstre connu sous le nom de Super Duck. Mais oui, vous y mettez qu'elle travaillait pour quelqu'un. Bah oui, c'était Super Duck. Super Duck est un embranchement viral de la conscience de Duck, réalisé dans la même clinique que le versionnage neuronal où votre mère s'est rendue avant sa mort. Sans que vous sachiez comment, Duck a perdu le disque crânien contenant cette version, laquelle s'est ensuite répandue tel un virus informatique, finissant par se manifester physiquement sous une forme que Doug appelle le monstre. Oui, le gros oiseau chelou, là. Et c'est... Ouais, ça... Il y a encore trois trucs flous. On a encore trois flous, là, sur le... Sur ça. D'accord. Alors, hop. Parce que là, du coup, je pense qu'on a fait le tour. Donc, direction le lac. Hein. Parce que là, de toute façon, oui, on peut rien faire de plus. Côté énigme, je pense qu'on est pas mal. On les a faites. D'accord. Alors, c'est parti. Oula, pas si vite. La route est inondée par ici. Ah, vous continuez d'accélérer, mais le pick-up refuse d'avancer. Bon sang, Kay, qu'est-ce que je vous disais? Ah, merde, alors, vous avez un treuil pour nous permettre de sortir de là? Bon, on dirait qu'il va falloir continuer à pied. Il y a quelque chose qui ressemble à un camp de pêche plus loin le long de la route. Si on veut atteindre les coordonnées, il va falloir un bateau. Je parie qu'il doit y avoir une embarcation qu'on pourra emprunter là-bas. D'accord. Le pick-up est pris dans la boue. Tant que personne ne sort de là, on est coincé. Ah, bah voilà. Hé, je sais où on est. C'est le camp de pêche de Pichy du Hon. On y a plus ou moins vécu pendant quelques temps, mon père et moi. Le vieux Pichy pourrait peut-être pouvait pas me lairer. Oh, et c'est le pont de l'Interstate 10 là-bas. Il y a une carte sous le panneau d'affichage. Ça me rafraîchira peut-être la mémoire. Je me demande à qui il faut s'adresser pour pouvoir prendre cette barque à moteur. Parce que ses coordonnées sont au milieu du lac. Eh ben, écoute, on pique, hein, on vole, non? Alors, là, on peut aller, on peut checker. Le pont de l'Idis enjambe un canal artificiel d'est en ouest. Ok, on va aller voir la carte. Alors. Laissez-moi juste regarder cette carte que je me repère. Le privé inspecte la carte fixée au tableau des annonces, traçant de l'index les contours du bayou. Ouais, je me souviens de ce coin. On y allait quand j'étais boss. On appelle ce secteur La Branche. Et il y avait un ancien village de pêcheurs là-bas, mais un ouragan a fini par tout bousiller. Il n'y a que le camp de Pichy qui a survécu. C'est là qu'on est actuellement. L'étang de Tripanier est juste en face. Il a le nom d'un type qui possédait une plantation dans le coin, dans le temps. Et puis là, il y a le canal de l'autoroute. Le gouvernement l'a creusé pour pouvoir construire l'interstate dite. Ça a fait rentrer plein d'eau salée dans les marais et un paquet d'arbres y sont restés. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec le bayou fantôme. Ça ressemble à un bayou comme les autres, sauf qu'il y a comme une qui dirait un seul arbre debout. Et comme plus d'arbres veut dire plus de racines, l'érosion a rongé les berges. Et maintenant, c'est coton.
de naviguer sans finir par s'échouer. C'est pas seulement la faute du gouvernement, remarquez, il y a un bail, plusieurs sociétés forestières opéraient dans le secteur et elles ont laissé leur marque sur la région. Comme cette roue d'abattage, par exemple. Elle a certes cette forme parce qu'ils amèrent une grande barge au centre. Ensuite, les gars se mettaient à abattre des arbres. D'abord dans une direction, puis dans l'autre, ça faisait comme les rayons d'une roue. Ensuite, les troncs étaient attachés à des cordes et la barge les tirait. Elle était équipée d'un treuil monstrueux du genre de la taille d'une voiture. Un monstre à vapeur qui tractait les troncs sur l'eau. Mon grand-père me disait qu'elle crachait de la fumée plus noire que la nuit. T'es raconte sa vie, celui-là. Et puis là, il y a le canal de Lower Suction. Beaucoup de gens sont morts à cet endroit le jour où un ouragan a détruit la branche. Depuis, des types plongent là-bas avec des palmes et des bouteilles dans l'espoir de retrouver des trésors perdus pendant la tempête. C'est pas toujours simple de s'y retrouver dans le secteur, heureusement qu'il y a une carte. Et on dirait que quelqu'un y a épinglé une note. Oh, il parle beaucoup. Alors, du coup. La carte détaillée du coin, le coin sud-ouest de la, du lac à savoir région, hein, blabla. Pente de coquillages en tout genre, j'habite à la place et j'en ai plein mon jardin. Si ça vous intéresse, appelez-moi. Réservez un séjour de rêve dans l'environnement naturel des marais de Luisanne, que vous souhaitiez un séjour court ou long, venez vivre au rythme de l'une des régions les plus mystérieuses des États-Unis. Swapaway milite pour la défense de l'environnement. Nous nous appliquons activement dans le refroidissement, le reboisement des marais et de Luisanne pour nous offrir à tous un avenir plus vert. Effectuez votre réservation avant la fin de l'année et vous aurez droit à une livraison snack pack gratuite durant votre séjour. Je sais pas quel est le saligo qui me vole mes prises, mais si je le chope, je le lutte. Et là, on a la petite note. Un badge a été utilisé pour épingler une lettre manuscrite au tableau d'affichage. Gareth, yo Gareth. Gareth, encore eux. Rejoins-nous à l'étang de John sur la berge nord-est du lac pour le lancement. L'étang de John, jamais entendu parler. C'est un bordel sans nom ici. Plusieurs gars ont posté des trucs sur l'arche en ligne et du coup, les curieux viennent en masse pour prendre des photos. Si tu viens par là, le seul moyen de passer, c'est par le bayou fantôme. Ouvre l'application, Apocryphon, et regarde la carte, tu y verras des points clignotants. Ils indiquent où se trouvent les portails. Je te préviens, plonger dedans, c'est comme sniffer ce truc que le roi des fossés récupère en grattant les urinoirs. Un vrai cauchemar. Si t'arrives à garder les idées claires, ils t'amèneront à des sources lumineuses qui seront légèrement différentes. Essaie de ne pas flipper surtout, garde bien la tête froide et fais en sorte que ces lumières clignotent comme celles de la carte. Et si tu fais ça, tu seras un vrai Gareth et tu gagneras la vision des marais. Et alors, le bayou fantôme t'apparaîtra. Bonne chance. Hein ? D'accord, bah on a une nouvelle énigme. Du coup, on va devoir encore utiliser l'application des Gareths. Est-ce qu'on peut l'utiliser ici ? Ah oui, carrément. C'est quoi ce bordel, vous avez vu ? Quand vous avez amené votre téléphone devant la carte, plusieurs points clignotants sont apparus. Celui qui se trouve au niveau de la roue de flottage clique vachement plus vite. Par contre, celui de l'étang, il est beaucoup plus lent. Déplacez votre téléphone devant la carte pour voir s'il y en a d'autres. Oui, ah oui, merci mec. Ah, il y a celui-là. Trois petits coups fixes. Un lent, un rapide. Attends, il disait du plus rapide ou du plus lent. Non, c'était ça. Ah, il faut que les lumières clignotent comme celle de la carte. D'accord. Ah d'accord, donc en fait il va falloir aller aux endroits et faire clignoter les ampoules comme les cartes. Alors attends, ce qu'on peut faire, on peut prendre des notes. Donc, on va dire que la roue
ces clignotements rapides. Éteint. C'est lent. Le canal de l'autoroute. C'est fixe. Et le... un canal d'autoroute. L'autre canal. C'est 1, 2, 3 clignotants. Je pense qu'on a les 4 là. Hein. Bon voilà. Ça c'est bon. Alors on a des infos sur les garettes encore. Les garettes sont censées se rejoindre à l'étang de John. La lettre agrafée sur le tableau d'affichage disait aux garettes de passage de se rendre à l'étang de John sur la berge nord-est du lac pour le lancement. Ok. Petite info supplémentaire. Ça c'est bon. Alors ça. Ça passe cette petite barque à moteur, elle devrait pouvoir nous permettre d'atteindre les coordonnées qu'on a trouvées. Le problème c'est qu'il faut une clé. Pour allumer le moteur. Ah, on peut aller là, d'accord. C'est comme ça que vous frappez aux portes, Kay. Vous risquez de pas attirer l'attention des gens si vous y prenez. Hein. Pour vous affirmer, un peu plus de punch, s'il vous plaît. J'arrive pas à croire que la gamine de Blue frappe à la porte comme une vraie femmelette. Mettez ici un peu du vôtre, vous voulez bien? Hé, hey, Pitchy, c'est vrai, t'es où, vieux? Quelle est la raison de ce vacarme? Je cherche le vieux Pitchy. Il n'y a pas de Pitchy ici. Laissez-nous tranquilles, nous avons du travail. Arrêtez ce vacarme, nous essayons de nous concentrer. Bon, apparemment, on peut pas. D'accord. J'aurais ruiné la porte. Mais non. Qu'est-ce qui me fait le téléphone? Alors, du coup, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En haut. Hé, hey, Pitchy, ouvre, mec. Qui diable êtes-vous? Brett Leblanc. Où est Pitchy? C'est lui qui doit livrer nos sandwichs. Oh, je cherche le vieux Pitchy. Qui ça? Allez-vous-en, s'il vous plaît. Allez-vous-en, on n'est pas intéressé. D'accord. C'est pas une franche réussite ici. Hein. Bon, bah, rien. Un homme pêche sur le quai. Allez, c'est parti. Salut! Cette barque est à vous? Non, elle appartient au camp, je crois bien. Alors, la clé du moteur se trouve à l'intérieur d'une des cabines? J'imagine que oui. Allons faire un tour dans ces cabanons pour voir si on arrive à trouver la clé. Oui, bah, apparemment, ils veulent pas. Vous ne pourriez pas nous aider à désembourber notre pick-up? Vous rouliez comme des dingues, j'imagine, non? Elle visait même toutes les flaques, en fait. J'aimerais pouvoir vous aider. J'ai bien un treuil dans mon pick-up, mais il est garé de l'autre côté du déversoir. Est-ce que vous connaissez Pitchy? Vous connaissez Pitchy Dehun, le propriétaire? Évidemment que je le connais. Comment ça, vous le connaissiez? Vous regardez jamais les infos, Pitchy est mort depuis longtemps. Ah mince, ça doit faire au moins 10 ans. Vous vous fichez de moi? Si je vous le dis... Et il n'est pas parti tout seul. Il a fait plusieurs morts avant de se flinguer. Il a complètement craqué. La vache. Et je peux pas dire que je sois surpris. Hein. C'était une vraie teigne, celui-là. Il vous aurait pas parlé de moi avant de mourir. De Brett Leblanc. Il n'a pas dit du mal à mon sujet. Je suis pas sûr que vous compreniez bien ce qui s'est passé.
Peachy s'est enfermé dans ce camp avec 3 otages et plusieurs boîtes de munitions. Il a refusé de sortir. Mais il n'a pas fait ça parce qu'il m'en voulait quand même. C'est quoi cette question? Vous êtes pas bien ou quoi? Laissez tomber. Et donc, le camp appartient à qui maintenant? Son petit-fils. Il y a fait construire plusieurs cabanons qu'il loue aux touristes. Du coup, il y a pas mal de passages. J'imagine que ces gens n'ont pas la moindre idée de ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que vous savez sur cette note sur le panneau d'affichage? Celle qui est épinglée avec un badge? Tout ce que je sais, c'est que des gamins sont venus ici pour prendre des photos de la carte avec leur téléphone. Il y a des tas de gens bizarres hein, qui passent par ici depuis que les cabanons de Peachy sont loués aux touristes, mais ceux-là, hein, c'est des sacrés numéros. Ouais, là. Parce que là, de toute façon, on est bloqué. Parce que même si on va là, on est bloqué à la bagnole. On peut pas partir, on peut pas utiliser le bateau. D'accord. Donc, il faut forcément qu'on arrive à récupérer la clé du bateau pour aller aux 4 endroits qui nous ont notés. Bon, lui, de ça, il va nous dire de la merde. C'est pas la peine. Du coup, la carte, on ne va pas cliquer dessus. Du coup. On va réessayer, hein. Ouvrez. On a besoin de cette barque, ça urge. Non, allez-vous-en, qu'on vous a dit. Continuez de frapper à la porte, Kay. Il nous faut absolument la clé du moteur de sa barque. L'un de ces bacanements, on va bien finir par ouvrir. Ouvrez, c'est une urgence. Non, il y a une tête dans le lac et des taux d'eau trucs pas nets. On s'en fout. Ouvrez ou j'enfonce la porte. Vous n'en êtes pas capable de toute façon. Et ça a un peu pouvoir, connard. Vous l'aurez voulu, vous allez comprendre pourquoi on me surnomme Pied d'Acier. J'en connais un qui va se faire mal au pied. Reculez, Kay. Ah, je vois que j'ai pas perdu la main. Enfin, le pied. La porte n'était pas fermée à clé, espèce de débile. Waouh, ils ont une sale tête. Est-ce qu'on a fait tout de suite les bons? Ah, oh, d'accord. Attends, pourquoi le... Ok, le espace ne veut pas me mettre... D'accord. Déjà, ça, vous arrêtez. Écoutez, vous ne trouvez pas que vous êtes un peu agressif, là? Les gens qui viennent passer quelques jours ici sont en quête de tranquillité, vous savez. Ça va peut-être vous paraître difficile à croire, mais je vois ce que vous voulez dire. On venait souvent traîner ici quand j'étais gosse. Un jour, on s'est même bagarré sur le toit. Et mon pote Nutty a balancé la chèvre du vieux Peachy à la flotte. Quel rapport? Je veux dire, c'est ce que vous perturbez le calme, l'harmonie des marées, en enfonçant notre putain de porte, espèce de fou furieux. Ok. Voilà sans doute la clé qu'on cherchait. Je pense que si on la prend, on va se faire... Qui diable êtes-vous? Eh, hey, mais une minute. C'est vous qui êtes introduit ici en mon absence, qui avez laissé votre culotte dans la salle de bain? Ah ouais, tu as raison bébé, c'est forcément ça. Alors c'est bien vous. Tout à fait, je vais juste récupérer ma petite culotte. Hein? Alors c'était bien vous. Mais si vous êtes entré par effraction, pourquoi vous avez rien volé? Ouais, hein, pourquoi vous avez rien volé? Il n'y a rien d'intéressant à voler chez vous. Mais vous êtes dingue ma parole. Fichez-moi le corps ou j'appelle la police. On ferait peut-être bien de demander au pêcheur s'il lui manque rien, des fois que ce soit lui qui ait volé quelque chose. Non, oh. Non, enfin, je veux dire, c'est pas la peine de l'inquiéter pour ça, tu sais. Tu as sans doute raison. Ah, on peut balancer le truc du mémo. Nous avons besoin de la clé du moteur de la barque, s'il vous plaît. C'est une blague ou quoi? Nous allons prendre cette barque tout à l'heure pour un rendez-vous romantique. Pas vrai, mon chéri? Oui, bébé. Donc, je sais pas si on fait ça. Hors de question qu'on vous laisse prendre cette clé. Nous avons besoin de cette barque pour aller le voir, le coucher de soleil sur le lac. Oh oui, bébé. Il me l'a promis. Carrément, bébé. Attends. Alors, je sais pas, là, on a peut-être pas bien joué sur le coup. On va remettre la zic. Alors, on va aller voir l'autre, hein.
Franchement, vous cherchez à la caresser cette porte, allez-y, quoi, mettez plus en train. Toc toc. Ouvrez, on a besoin de cette barque, ça urge. La barque fait partie de la location. C'est nous qui en avons la jouissance. Bon, je vais vous la faire simple. Hein. Cette gamine, malfagotée, cherche son frère. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on pense qu'il pourrait être là, quelque part dans les marais. J'aimerais pouvoir vous aider, mais nous avons besoin de cette embarcation. Bonne chance. Frappez encore, Kay. En fait, continuez à frapper jusqu'à ce qu'on récupère la clé de cette barque. Si ces gens en ont marre de vous, de nous, ils finiront peut-être par nous la donner. Eh mec, seigneur, encore. Si vous avez vraiment besoin de cette barque, pourquoi vous vous en servez pas? Ça ne vous regarde pas. On essaie de sauver des vies, là, mon pote. Nous aussi. Comment ça? Grâce à nos recherches, que cette conversation nous empêche que de conclure, allez, laissez-nous tranquilles, s'il vous plaît. Bonsoir. On commence à frapper, vous arrêtez pas. Surtout, personnellement, je peux continuer toute la nuit. Eh, ouvrez. Pourriez-vous faire un peu moins de bruit, s'il vous plaît? Écoutez, on devrait pouvoir trouver un terrain d'entente. Août, l'ancien mari de la cousine Suzy a acheté 4 ou 5 doublons à un Canadien de passage dans le Mississippi. Il en a atterré sous la maison de sa mère et moi, j'y passe tout le temps. Il faut dire que j'ai plusieurs batteries de bagnole dans sa cabane de jardin. C'est que je me sers de temps en temps au bureau. Elles ont beau être vieilles, elles tiennent encore correctement la charge. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Je veux pas que vous me prêtez ça. Je veux pas vous prêter cette barque indéfiniment, vous comprenez? Nous, on en avons besoin. Sauf que ce ne sera pas indéfiniment. Justement, on a des coordonnées émises par un petit appareil qui envoie des signaux de détresse. Un signal de détresse. Wow. Putain, il m'a fait peur ce truc. Wow. Oh, je me suis fait dessus. Mon pote Duck. La porte s'ouvre violemment. Mentionner Duck n'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Qui c'est celui-là? Ouais, un pote à moi, à cette espèce de machine, ok? Et comme je sais pas trop, bon, un répondeur automatique en quelque sorte, bref, on a écouté les messages et c'est là qu'on a entendu ces coordonnées qui correspondent au milieu du lac. Qu'est-ce que cette machine vous a dit d'autre? Un truc à propos d'un point d'accès qui était, je sais plus trop, en plein stress ou quelque chose comme ça, en plein stress au milieu du lac. Voilà, où sont les coordonnées? Dans le téléphone. C'est sans doute le point d'accès. Oui, tu dois avoir raison. Et vous avez l'intention d'y aller en barque, tous les deux, c'est ça? Bah ouais, je fais du bateau depuis que je suis tout petit, aucun problème pour moi. Connaissez-vous le réseau que certains appellent Super Duck? Duck, c'est le pote dont je vous ai parlé. Clayton Richard. Ouais, c'est ça. Duck, on est comme les doigts de la main, lui et moi. Vous connaissez cet homme, Dallas? Ah, Dallas, ça y est, le retour de Dallas. Je n'ai jamais dit que je connaissais la source. Donne-leur la clé. Sérieux, parce que ça nous aiderait vraiment. Hein. Je maintiens que c'est une décision irresponsable. Si nous acceptons de vous remettre la clé, vous devez faire quelque chose pour nous en échange. Si on peut vous aider, ça sera avec plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tenez. La femme vous tend un petit appareil portable. Tenez ça devant le point d'accès et appuyez sur le petit bouton. Ça devrait pouvoir se faire. Vous êtes en possession du compteur GGR. Le succès. Compteur GGR. Ou compteur Geiger, je sais pas trop comment ça se dit, mais moi j'ai toujours dit GGR. Ça devrait pouvoir se faire. Et après, rapporte-les nous. C'est tout? Oui. Dallas. La Dallas, donc c'était le mec d'accord dans le coin de la pièce. Oui. La clé de la barque, donnez-la leur. Oui, il a encore sa petite cravate qu'on lui a filée avec... il a un petit peu de barbe. Dallas vous tend la clé. Ce faisant, il vous fixe un instant et vous voyez une lueur dans son regard, comme s'il vous reconnaissait. Mais il ne dit rien. C'est stable, j'imagine. Oui. D'accord, donc eux, c'est fait. Attends, parce que si, je peux pas cliquer... Ah, mais j'ai plus les... Comment ça se fait que j'ai plus les apparitions de trucs à cliquer? Avant, on appuyait sur espace et on avait les... La surbrillance du bordel. Et maintenant, j'ai plus. D'accord.
Une succession d'images défile à l'écran, des cyprès, de l'herbe et des marais diverses jetées et d'autres détails photographiés tout autour du lac. Oui, qu'y a-t-il? Vous avez mon relevé? Ah, d'accord. Donc elle fait ça. Lui, faites attention, il a quelque chose de pas net ce soir. Que voulez-vous dire? Ce n'est pas important, mais ouvrez l'œil, d'accord? Ok. Un homme vêtu d'un trench coat et d'une cravate texane particulièrement élaborée garde les yeux rivés sur la moquette. Oui, notre ami Dallas. Oui, quel est votre rôle dans cette histoire? Je n'ai pas trop envie d'en parler. Ça fait des années que je fais divers boulots pour Superdoc, c'est tout. Et c'est pour ça que le docteur Moore m'a recruté. J'ai transformé tout mon argent en QuakeCoin. Et maintenant que le réseau a été coupé, ça ne vaut plus rien. Alors, j'ai pas le choix. Je prends tous les boulots qui passent. Dac, dac, dac. Ça nous a rien développé de plus ici. Une sorte de petite association secrète là qui mène l'enquête. C'était le bar à chicha perso du vieux Pitchy. Quand j'étais gosse, on fumait des tas de trucs louches dans ces canettes de soda. Ici, je vous raconte pas combien de fois j'ai fait ça. On a déjà la clé de la barre, pas la peine d'enquiquiner ces gens. Qu'est-ce que vous pensez de la carte du tableau d'affichage? Celle du tableau d'affichage? Oh, quand vous avez emmené le téléphone devant, on a vu des lumières qui clignotaient tout à un rythme. Oui, bon, allez, on a compris. Allez, on s'en fout. On a compris. La petite save. C'est parti pour le bateau. Voyons voir. Voyez-vous ça? Il marche. Allons faire une petite balade. Vous comptez aller sur le lac? Affirmatif. Vous connaissez le coin? Depuis que je suis tout petit. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que l'érosion bousille tout par ici. Hein. De le côté de l'interstate 10, impossible de savoir comment finit l'eau et comment commence la terre ferme. Vous voulez parler du bayou fantôme? Ouais, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Alors. L'érosion est telle qu'il n'y a presque plus de terre ferme dans le coin. Exactement. De l'autre côté du pont de l'autoroute, c'est vraiment pas évident de faire la différence entre le lac et les berges. Et le problème, c'est les arbres morts qui se retrouvent juste sous la surface de l'eau. Parce que vous pourriez passer juste au-dessus d'un cyprès sans vous en rendre compte. Et votre hélice pourrait se prendre dans les branches mortes. Alors comment on est censé passer? Je vais vous dire. Ces jeunes bizarres qui se baladent partout avec leur badge, ils semblent avoir des problèmes pour traverser le bayou fantôme. Et ils regardent sans cesse cette carte. Peut-être qu'ils savent un truc qu'on ignore. Ah! Une dernière chose, si vous avez un sonar sur votre téléphone, vous feriez bien de le garder à portée de main. Il y a plein de trucs cachés dans ce lac. Et si vous devez aller dans l'eau, ne vous inquiétez pas, vous risquez de voir des trucs bizarres sous l'eau, mais c'est juste des jeux de lumière. Vous rigolez? Tout le monde sait bien qu'il y a des fantômes dans l'eau. N'importe quoi. Je sais pas qui vous a raconté ça, mais ça tient pas la route. Croyez-moi, je nage dans ce bayou depuis que je suis tout petit. Si votre sonar détecte un truc, plongez sous l'eau et voyez ce que c'est. Ça va rajouter du gameplay. Prête, allons-y. Bon, il est temps de jouer, il est détective Kay. Vous avez votre téléphone, jetons un œil au GPS. Il y avait deux jeux de coordonnées chez Duck. Le premier était noté sur la lettre qui mentionnait également votre frère. Celle qui disait aussi que ces types cherchaient une tête dans le lac. Attention! Hein, je dis pas que c'est la tête de votre frère qu'il cherche, mais quelque chose me dit que tout ça c'est lié. Ces coordonnées indiquent un point situé vers la berge nord-ouest du lac. Ça vaut peut-être le coup d'y aller voir. L'autre jeu de coordonnées provient de cette appli sur votre téléphone. Apparemment, il s'agit d'une sorte de signal de détresse. On dirait que lui indique l'étang de l'aigle. De toute façon, les deux jeux de coordonnées se trouvent au-delà du bayou fantôme. Alors si on veut y aller, il faut commencer par trouver le moyen de traverser le bayou. Pigé. Allez-y, conduisez. De mon côté, je vais me détendre un peu et fermer les yeux quelques minutes. Ah oui, on est loin de ouf. Dézoomer.
Il y avait un truc à l'étang. Il y avait le truc de l'étang. Il y avait le canal. Canal de l'autoroute. Il y avait les deux canals. Canal de l'autoroute. Canal de Lower. Et bah écoute, on va déjà aller à l'étang. Hein. D'accord. Le sonar vient de s'activer. Vous croyez qu'il y a quelque chose sous l'eau? Vous voyez peut-être plonger pour aller voir. D'accord. Mais faites gaffe quand même, le type sur la jetée nous a raconté n'importe quoi. Croyez-moi, c'est les fantômes qui sont en dessous. Un jour, un pote à moi plongé, on s'en fout. Allez hop, vas-y, plonge. Vous frayez difficilement un passage dans l'eau peu profonde du lac alors que les marées se mettent à tourbillonner autour de vous. Vous tentez désespérément de vous repérer, mais vous ne savez plus dans quelle direction vous allez. Vous vous éloignez peu à peu de la surface. Vous vous enfoncez plus profondément dans l'eau jusqu'à finalement émerger de l'autre côté. Où vous découvrez un miroir presque parfait du monde que vous avez laissé derrière vous. Au-dessus de vous, le contour des galaxies embrase le ciel nocturne. Vous n'aviez jamais vu autant d'étoiles. Un homme est assis par terre, près d'un bosquet de palmiers, à côté d'une lampe à kérosène. Il se lève en vous apercevant. Chaque soir, je monte dans les arbres pour observer les marées, mais je ne regarde jamais l'eau, vous explique-t-il en tendant la main pour vous aider à monter sur la berge. Dans l'ombre du bosquet, vous discernez d'autres silhouettes qui semblent chuchoter entre elles. D'autres murs résonnent également au-dessus de vous, au niveau de la cime invisible des cyprès. Vous faites partie des enfants de Trépanier, pas vrai? Qui ça? Le propriétaire des lieux, répond-il. Ses terres s'étendent jusqu'au fleuve. Il vous dévisage quelques secondes de plus, puis se tourne vers la rive opposée. Vous avez de la chance de ne pas faire partie de la famille, parce qu'il va lui arriver des bricoles. Depuis les palmiers, quelqu'un chuchote en direction de l'homme. Ce dernier recule de quelques mètres, retournant dans l'ombre. Si vous ne connaissez pas les environs, vous allez avoir besoin de lumière. L'homme rejoint le reste de l'assemblée. Et tous s'enfoncent dans la nuit, laissant la lampe à kérosène derrière eux. La lumière est stable, immuable. Attends, parce que dans les temps, c'était lent. Tournez le bouton de la lanterne. La lumière est animée de pulsations lentes et régulières. Non, c'était pas ça. Tournez le bouton. La lumière clignote deux fois très vite. Il y a une courte pause. Non. Rapidement, tel un stroboscope, non. La lumière est stable. D'accord, ouais, non, bah, c'était ça. Ça, c'était la lente verte. Ok. Retournez à la barque. Voilà, du coup, là, on a fait la lampe. D'accord, ça, là, c'est fait. Ici. Alors que vous tombez dans le lac, vous voyez les phares des voitures filant sous le pont de venir. Vous entendez d'abord le bruit de la circulation, puis celui de votre descente vers le fond. Enfin, plus rien. Le lac, ses sédiments, semble baigné dans un silence infini. Cette atmosphère irréelle vous retient captive et vous êtes incapable de bouger. Paralysé, vous ne pouvez que regarder la lumière diffuse des phares. D'un seul coup, une explosion de bruit vient rompre le silence, puis le calme revient. Mais juste une fraction de seconde, avant qu'un pick-up ne tombe dans l'eau. L'onde de choc vous permettant de reprendre vos esprits et d'échapper à l'étreinte du lac. Le véhicule coule, rapidement, trop, comme si un gigantesque aimant l'attirait vers le fond. Vous plongez à sa suite, vous guidant à la lumière de ses phares. Las, ceux-ci s'éteignent au bout de quelques secondes. Heureusement, le plafonnier, lui, est encore allumé. Blake est assis sur le siège passager, l'air affolé. Il n'y a personne derrière le volant. Vous apercevant, il se met à tambouriner contre la vitre. L'habitacle se remplit rapidement et le plafonnier s'éteint.
Vous ouvrez la portière et entrez dans le véhicule, la pression s'équilibre et vous tâtonnez tout autour de vous, les poumons en feu. Le plafonnier s'allume de nouveau pour vous révéler que l'habitacle est vide. Blake a disparu. La lumière est animée de pulsations lentes et régulières. Merde. Est-ce que ça, c'était le canal de l'autoroute? Je pense. Le canal de l'autoroute, il était fixe. Non. Théoriquement, le fixe devrait être vert, du coup. C'est bon. Ok, donc celui-là, c'est fait. Ouais, voilà, c'était le canal de l'autoroute. Il est là. Il y en avait un ici. Attends, est-ce qu'il y avait quoi? On avait l'étang, le canal et la roue, ouais. D'accord. Non, il y a quelque chose. Alors, est-ce que ça, c'est l'autre? Vous plongez dans les ruines d'un ancien village de pêcheurs. Les pilotis en bois ne sont plus que des ombres de la lumière indistincte du soir. Les pilotis ont été profondément enfoncés dans la vase. Où les planches pourries, bouteilles vides, paniers de crabes et morceaux de bâche coagulent pour former autre chose. Nagez en direction des détritus. Vous nagez jusqu'au fond du lac et vous laissez flotter entre deux eaux à côté de cet amalgame de débris. Scène incongrue, une fenêtre est là, au milieu des ordures, à moitié ouverte. Traversez la fenêtre. Vous ressortez par la fenêtre ouverte pour vous apercevoir qu'il n'y a plus d'eau dehors. Incapable de flotter, vous tombez aussitôt sur un plancher en latte de cyprès. Vous regardez autour de vous, vous vous trouvez dans un salon extrêmement chargé, mais propre et bien entretenu. Les cadres pendus au mur se mettent à vibrer. La maison est tout entière, tremble sur ses fondations. Vous regardez par la fenêtre, par où vous êtes entré. Au dehors, il n'y a pas les profondeurs du lac, comme on aurait pu le penser, mais une pluie torrentielle balayée par un vent violent. D'impressionnants éclairs illuminent ce paysage, et dans ce décor de fin du monde ponctué par le tonnerre, le moindre îlot de silence vous semble chargé de hurlements. Sur votre droite, une porte semble mener à un balcon. Allez sur le balcon. Ah, on aurait pu inspecter la pièce. Bon, c'est pas grave. Au dehors, c'est un véritable maelstrom. L'eau tourbillonne est presque arrivée au niveau du balcon et les fondations de la maison sont menacées. En limite de votre champ de vision, vous voyez sidéré des saules flotter le long des berges du bayou, puis quitter le sol comme aspiré par un ciel pourpre insatiable. Au loin, de minuscules silhouettes d'hommes s'accrochent désespérément à la cime du cyprès, hurlant leurs prières dans l'œil du vortex. Parmi eux, il vous semble reconnaître Black, qui a réussi à nouer une corde autour d'un arbre et s'y accroche toutes ses forces. N'écoutant que votre courage, vous plongez dans l'eau déchaînée et commencez à nager, remontant le plus puissant courant que le bayou ait jamais connu. Lorsque vous en émergez enfin, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de blec, plus d'ouragan, rien que l'infini du soir. Le blanc vous fait un geste du bras, puis la barque immobile près de la berge. Tout va bien, Kay, s'inquiétait en criant. Vous levez les yeux vers le cyprès où l'apparition de votre frère était accrochée, il y a quelques instants. Une corde est pendue, là, mais sans rien au bout. Tirez sur la corde. Une lumière s'éveille, quelque part dans le bail, dans les profondeurs du bayou. Tirez sur la corde. Ça, si c'était l'autre canal, c'est trois fois clignotant. Oui, bon, c'est celui-là. Ok. Donc, on a trouvé l'autre. Là, je suppose qu'on pourra pas aller au bout. Bon, de toute façon, là, il faut aller à la voie de flottage. C'est sûr. C'était sûr.
Voilà, vous plongez dans le canal de flottage et presque immédiatement vous vous retrouvez prise dans les branches d'un arbre mort. Vous débattez pour tenter de dégager vos bras. En vain. Vous tirez de toutes vos forces, mais vous ne pouvez rien contre l'arbre qui semble vous emporter au milieu des débris. L'eau est tellement chargée de sédiments en suspension que vous n'y voyez goutte. Soudain, une force impérieuse tire l'arbre, vous faisant sortir dans le ciel nocturne et vous avec. Serrant le tronc de toutes vos forces pour ne pas tomber, vous voyez devant vous une énorme machine crachant de la fumée dans le ciel. Elle est installée sur une barge, également équipée d'un gros treuil tournant lentement pour tirer inexorablement l'arbre sur lequel vous flottez. Vous regardez aux alentours pour voir des ouvriers debout sur des pirogues qui abattent la hache, les cyprès situés au bord du lac, du canal, décidément. D'autres récupèrent les arbres abattus tandis que d'autres encore s'écartent précipitamment, alors qu'un grand tronc s'abat dans l'eau dans un vacarme assourdissant. Parvenant enfin à dégager vos bras de l'étreinte du cyprès, vous grimpez à bord de la barge. Contre-maître qui se tient à la plateforme vous lance un regard noir alors que l'embarcation commence à couler sous l'eau. C'est pas le moment de ralentir, Madère, bloque-t-il, tout en vous indiquant la chaudière à côté de lui. Votre regard se tourne vers le tas de charbon et la pelle proche de la chaudière qui sont désormais tous deux sous l'eau alors que la barge continue de s'enfoncer. Quand l'eau atteint le plafond de la cabine, la pelle se décroche et le faible courant l'emporte dans votre direction. Le bateau en perdition finit par se poser doucement sur le sol vaseux et vous vous retrouvez flottant entre deux eaux à côté de la chaudière, la pelle entre les mains. Purée. Oh la vache, il y a du texte hein, ce soir. Hein. Même au fond de l'eau, la chaudière continue de rougeoyer. On met un peu de charbon. On met un peu de charbon. Et voilà, clignote rapidement en stroboscope. C'était bien la dernière. Donc là, on a les quatre. On est d'accord? D'accord, du coup, là, on a réveillé le bayou. Ah oui, je peux pas sauvegarder en fait. Ah si. Ah non. Attends, parce que du coup, là, on a les premières coordonnées. Ouais, et puis là, c'est les temps de jeûne. Oui, de toute façon, dans la logique, voilà, on va déjà aller là-haut. Par contre, je peux pas passer par là. Ah, faut que je tourne. Ouais, il faut que je fasse le contournement. C'est ici? Attends. Ah ouais, bah je suis pile poil dessus, ok. Je pensais que c'était un peu plus haut. Allez, première coordonnée. Je crois que c'était les coordonnées de Black et l'autre c'était la tête. Ou je sais plus. Plongé dans l'eau, vous passez les mains dans un nuage de sédiments de plus en plus obscur. Une branche isolée jaillit d'un amas de détritus plus important. Et vous distinguez deux points brillants à des endroits. Deux endroits où le peu de luminosité semble se refléter. En approchant, vous commencez à discerner une ombre, une forme. Tendant les bras, vous la touchez du bout des doigts. De la chair flasque, presque gélatineuse. L'arête d'un nez est juste en dessous, la texture inimitable des dents. Quant aux points brillants, ce sont deux yeux, durs comme du verre. Ah, c'est la tête de John. Voilà, j'ai eu peur. J'ai eu peur que ce soit la tête de Blake. Dégageant la tête des branchages, branchage, vous remontez en direction de la barque. Qu'est-ce que vous avez là, Kay? Un trésor du lac? Ah ouais. Tenant la tête par les cheveux, vous l'exhibez devant le blanc. Sainte mère de Dieu! La tête oscille légèrement au vent. C'est super petite, mais posez ça, vous voulez bien? Et qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Le blanc tapote sur les globes oculaires de l'index. C'est pas des yeux humains, ça. Le blanc appuie sur les. Appuie les pouces des deux côtés de la tête et les deux globes oculaires sautent des orbites dans un petit bruit peu ragoûtant. Les orbites de la tête sont vides. Bon, fini de jouer. On a encore un deuxième jeu de coordonnées à aller vérifier. Bizarre. Bizarre, bizarre.
Et puis on n'a pas d'inventaire. Ok. Donc là pour les autres coordonnées. Attends, est-ce qu'il y a un raccourci ou est-ce qu'il y a une feinte? Non, ça. Ah, t'es en poste de chasse. Est-ce qu'on y va direct ou on va au poste de chasse Attends, on va aller voir le poste de chasse. Ah ouais, d'accord. Ouais, je sais pas, ils sont armés. Non, 5 ans. Vas-y, on se casse. On ira après. Ça, à mon avis, il faut forcément qu'on y aille. Ok. Ah, on est au lac. Ah bah tiens. Encore un oiseau géant. Bon sang, mais qu'est-ce que je regarde là? Ah, maintenant c'est revenu l'espace. Attends. Attention, parce que là. La vache. Des aigles, j'en ai déjà vu un paquet dans le déversoir, mais des gros, mais alors un tel monstre, jamais. On dirait que quelqu'un lui a arraché les yeux. Ah. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai qu'on a la tête de John. Attends. Les yeux en verre trouvés dans la tête engloutie. Tête d'homme découverte dans le lac. Compteur permettant de détecter les radiations. Oui, mais c'est vrai qu'on n'a pas utilisé de détecteur. Oh, mais attends, me dis pas que. Vous amenez l'appareil électronique en plastique devant le gros tugle. Après pas, vous appuyez sur le bouton. Ah merde. Ah j'ai peut-être. Ah, on me dit pas que j'ai loupé le truc du compteur. Placer les yeux dans les orbites vides du rapace. Le retour de la boule magique. Ah mais que... Et c'est moi ou ce Pierre vient juste de dégobiller une boule flottante? Et le vieux Pitchy qui répétait tout le temps qu'il y avait des extraterrestres autour du lac. Mais qu'est-ce qu'elle vous fait? J'ai la berlue, on dirait presque qu'elle vous renifle. La sphère diminue en taille et vit se nicher à l'intérieur de votre manteau. Alors ça, on dirait que vous venez de vous faire une nouvelle amie. Faites gaffe, hein, si vous transportez cette boule dans votre poche, Kay, il manquerait plus que vos yeux se mettent à tirer des rayons laser ou une ânerie du genre. J'ai de la peine pour ce gros piaf, j'avais encore jamais vu un extraterrestre faire ça à un oiseau. Ce truc dégage une chaleur telle que j'en ai des démangeaisons. Inutile de nous éterniser ici. Attends, maintenant par contre, comme il est flashouille, est-ce que je peux utiliser le compteur? Ah, là, ça brille différemment. Ok. Du coup, oui, nous avons la fameuse boule qui flash. Ah, bah voilà! Il a une tête dans le lac, les gars, de la chercher. Voilà, on a la tête. On a la boule. Votre mère a vu quelque chose dans le lac. Superduck l'a dévoré. Peut-être Superduck a-t-il absorbé l'orbe de lumière afin de voler son pouvoir ou sa sagesse. Mais ce qui est sûr, c'est que cela a détruit son réseau au bout du compte. D'accord. Oh. Voilà. Et on a du coup le client Superduck. Superduck est mourant. Le nœud d'accès à Superduck situé au niveau du lac crachait une sphère lumineuse qui semble jouer un rôle dans la délinquance du réseau. D'accord.
Oh. Ok. Ah mais non, mais attends, je suis bête. De toute façon, on pouvait pas utiliser le compteur geyser sur les zones, puisqu'on n'avait pas accès au... On est d'accord, là, on peut pas faire de toute façon le compteur geyser. Donc lui, c'est forcément scanner les zones. À moins qu'il y avait quelque chose ici, mais bon, on le saura jamais, quoi. Bon, allez, c'est parti, poste de chasse. Alors attends, on sauvegarde parce que là, je sais pas pourquoi je le sens pas. Je crois qu'il y a Crouton en plus là, non? Ça serait pas Crouton ça? Alors, déjà. Déjà, déjà. Ah oui, donc on peut vraiment le faire sous l'oiseau, quoi. Ah donc à mon avis on avait pas mal quoi. Tac. Et là ouais on peut parler aux trois gars. On va quand même déjà les regarder. Trois garettes gardent le passage, leur tonsure, leur robe et leur front taché éveillent un souvenir en vous. Personne n'a le droit de passer sur ordre du roi des fossés. Sauf ceux qui apportent la messagère. C'est vous? La messagère. Oui, le gros truc rond plein d'essence. Oh ça, un peu quand la boule à essence, montrez-la lui, Kay. Montrez la boule à essence. Le roi des fossés. Bah ouais, notre nouveau geek spirituel. On est à la recherche de mon frère. Cool. Connaîtriez pas un certain Blake, un loser toujours mal sapé. Le fils de la dame morte. Ah oui, lui, le gamin de la descendante. Il est à l'arche, troussé comme un poulet. Il est encore vivant? Ouais, le roi des fossés s'occupe de lui. Il va bien. Vous entendez ça, Kay? Il faut absolument qu'on trouve le moyen de passer. Ils retiennent votre frère. On a trouvé une tête dans le lac. Ah bon? Vous l'avez trouvée? On l'a cherchée pendant quelque temps, puis au bout du compte, on l'a laissée tomber. Qu'est-ce qui s'est passé? John a eu de ce qu'il méritait. Il croyait qu'on était tous à sa botte et il ne voulait pas qu'on s'habille comme des Templiers. Alors, le roi des fossés, il a joué les boss et il lui a tranché la tête. Et vous trouvez ça bien? Bah ouais, John était nul, tout le monde le disait. Mais on peut pas passer en fait. C'est quoi ce truc, un genre de machine? Oui, elle est à moi. Et ça sert à quoi? À faire ce que je veux avec. Ok. Dites, comment je peux avoir un de ces badges? Je les adore. C'est trop tard, on n'en a plus. J'ai l'impression qu'on a un style un peu près similaire, tu sais. Sauf que moi, je suis le détective privé malin à qui on la fait pas. Alors que toi, t'as l'air d'un débile, sapé comme ça. Mais j'ai un peu l'impression qu'on fait partie du même groupe de rock et qu'on est en tournée ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et si on descendait du bus ensemble, les gens en diraient, ouais, qui c'est ce type génial, ce débile qui l'accompagne? Je sais pas trop. Ça fait genre 5 minutes que je vous fréquente et franchement, j'en ai déjà ma claque. Non, sérieux, on devrait passer plus de temps ensemble tous les deux, mon pote. Je quitte la Terre ce soir. Quand tu reviendras alors. Franchement, je t'apprécie, t'imagines pas à quel point. Je pense que c'est de l'ironie. Je pense qu'on était en pleine ironie de notre ami Brett. Brett. Alors. Garrett, on attend la porteuse de la messagère. Le roi des fossés a annoncé qu'elle passerait par ce bayou, avec la messagère dans sa poche. Quand elle partira, on enverra le message radio à la base pour que le roi des fossés lui prépare un trône. Kay a une grosse balle, une grosse bille, qui a rapetissé pour venir se cacher dans sa poche. Ça pourrait peut-être être ça des fois, non? Ouais. Kay, montrez-lui la boule que vous avez trouvée dans le bec de l'oiseau. Attendez un peu, voir ça, les gars. Montrez-leur, Kay. Ça marche. C'est ça? Sa lumière éblouissante et divine, en sa présence, je perçois la texture cristalline de tout ce qui m'entoure. Je vous en prie, inondez-moi d'un autre baiser de lumière. Moi aussi, pitié, pitié, encore une fois, Seigneur. Allez, ils sont gentils, ils sont bien braves.
un petit coup de flash. Ah oui, oui, quelle extase! Oh! Il y avait un marais, un lac et une raffinerie, et Kay, qui n'a pas de visage, je suis l'élu! Un grand bouleversement s'annonce. Le vois-tu venir? Grâce à lui, la lumière cachée sous le sel brillera de nouveau. Je suis le soleil. Du coup, ça vous dérange si on passe rapidement? Garrett, je sais pas, ça a bugué là. Hein? Ah, vous avez la messagère, cool. Ouais, ouais, vous pouvez passer, le roi des fossés vous attend. Et Rhett, ouais. Contacte la base par radio. Dis-leur que la messagère arrive. Allô, la base, vous me recevez? Ici, poste de chasse, base 00. Vous me recevez? À vous. Garrett, pourquoi personne ne répond? Sans doute à cause des préparatifs du lancement. Vous pouvez passer, tous les deux. Dès qu'on arrivera à joindre la base par radio, on préviendra tout le monde de votre arrivée. Ben c'est bon, on peut y aller alors. Pas besoin de parler à l'autre, je pense. Ah bah oui, on peut passer. Alors, et du coup, on va aller à l'étang de John. Suspense. Ah, tiens, il y a un truc ici. Vas-y, on plonge. Vous plongez sous l'eau et commencez à draguer le fond à l'aide de vos doigts. Vous touchez quelque chose de spongieux et de gorgé d'eau, dont la texture est très différente de la vase environnante. Vous prenez cette chose dans votre main et remontez vers la barque. Voilà. Allez, très bien. Après être remonté à bord de la barque, vous observez l'objet que vous avez trouvé dans la lumière évanescente du soir. Monsieur Ouistiti. On a retrouvé Monsieur Ouistiti. Monsieur Ouistiti vous retourne votre regard, les yeux dénués d'intelligence ou même de vie. Vous avez trouvé un autre jouet, Kay. C'est pour que votre tête en décomposition se sente moins seule. Le regard de la pauvre peluche est désormais totalement éteint. Vous la rangez dans votre sac. Oh, on a retrouvé Ouistiti. Et nous avons le succès. Vous avez retrouvé Monsieur Ouistiti détrempé. Cool, cool, cool. Et hop, c'est parti. Déjà 1h30 de live. What? Qu'est-ce qui se passe? Flash info de Kate. Oui, notre ami Kate qui faisait son blog. Bizarre. Kate est sur le ring. Quelle soirée! Nous vivons ce soir à Norco, les amis. Je viens tout juste de quitter le bal masqué exclusif de Shidwell, pendant lequel Laura Sinclair a été retrouvée morte dans son bureau. Et ce n'est pas tout. Figurez-vous que la dépouille de Catherine Madère, une universitaire en disgrâce que la famille Sinclair n'appréciait pas, a été exhumée du mausolée où elle reposait. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence? Ah bah en plus, c'est magnifique, puisque le live de ce soir s'appelle Norco Incidence. Et je ne savais pas. Hein. Donc on est complètement visionnaire. Pourrait-il s'agir d'une coïncidence? D'une Norco Incidence? Je ne sais pas. Mais personnellement, j'ai du mal à y croire. Et enfin, cerise sur le McDo, Kenner John, le charismatique influenceur social, a annoncé que ce soir, il comptait lancer la fusée de fabrication artisanale à partir du marais de la branche. John et ses disciples ont réussi à construire ce monstre de métal dans le plus grand secret. Bien que le site se trouve pile poil dans l'axe de l'aéroport Louis Armstrong. L'histoire s'achève-t-elle ici? Pas tout à fait. Un informateur m'a révélé qu'une véritable guerre couvait entre deux factions rivales des disciples de Kenner John, les tristement célèbres Garrett, et un étrange individu surnommé le roi des fossés se serait mis en tête de profiter de cette discorde pour défier John. Et ce dernier, qui passe généralement son temps à se filmer en direct, reste invisible ce soir. En même temps, il a perdu la tête. Qui sortira vainqueur de la guerre des Garrettes et qui a tué Laura Sinclair? Pourrait-il s'agir du même individu qui a récemment exhumé le corps de Catherine Madère? Et où est Kenner John? Parviendra-t-il à faire décoller sa fusée? Restez à l'écoute, les amis, car Kate compte bien passer tout ça au crible. Ah, il a vraiment lancé son blog, le mec. Hein.
Ok. Ah ouais, il y a un petit peu de monde en fait. Alors, attends voir. Ok. Alors, on a développé plusieurs trucs. Ah, l'arche. Du coup, ça y est, c'est plus flou. Avant sa mort, votre mère enquêtait sur des rapports faisant état de travaux de construction autour de l'ACA. Vous déterminez que les travaux illégaux en question devaient être liés à la construction d'un vaisseau spatial dans les marécages autour du lac Pontchartrain. Oui, c'était bien ça. Votre mère a vu quelque chose dans le lac. Ah, pourtant, on ne pouvait pas développer. Je croyais que c'était bleu. L'homme du fossé est le nouveau père des Garrett. L'homme du fossé a tranché la tête des Kenner John, de Kenner John pour prendre le contrôle de Garrett et de l'arche qu'il a construite. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, on peut parler à lui. Roland, bonsoir. L'attention de l'individu costumé est tout entière tournée vers... Attends, l'attention de l'individu costumé est tout entière tournée vers la foule lointaine. Ouais, okay. Vous êtes un Garrett? Non, je n'en ai jamais entendu parler jusqu'à ce soir. Des Garrett, je veux dire. Plutôt dans la soirée, j'étais au bal masqué de Chilwell. Je suis venu ici avec un groupe de fêtards. La police et le service de sécurité grouillaient partout à notre départ. Apparemment, il s'est passé quelque chose là-bas. C'est la soirée rêvée pour lancer une fusée, vu que tous les flics sont là à la raffinerie. Qu'est-ce qui s'est passé à la raffinerie? Quelqu'un d'autre qui était au bal masqué m'a dit qu'il y avait eu une explosion là-bas. Mais franchement, j'ai rien vu ni entendu depuis la plantation de Good Hope. Peut-être qu'on en apprendra davantage dans les infos du soir. Et donc me voilà, j'ai quitté un véritable cirque là-bas pour en trouver un autre ici. Cette fusée et ces gens, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Il doit y avoir des pulsions suicidaires, non? Peut-être. Ou peut-être qu'ils tiennent quand même à la vie, et qu'ils sont prêts à mourir pour leurs convictions. Ce n'est pas si surprenant que ça. Alors on va écouter les discussions. Mentals, quel cirque? Comment t'as entendu parler de tout ça? C'est un ami qui m'a envoyé un texto. T'as un kayak ou un truc du genre? Non, mais quelqu'un m'a accepté sur son radeau, et toi? J'ai acheté un matelas gonflable. Ça valait le coup. Largement, hein. J'aurais bien pu payer plus pour voir ces débiles se faire sauter la tronche. En fait, tout le monde est là pour voir le lancement raté de la fusée. Ok. Attends, il y avait un autre truc que je pouvais. Ouais, là. Garrett raté. J'ai toujours voulu être un Garrett. J'ai installé l'application sur mon téléphone, mais j'ai jamais trouvé les indices. Je suis tous ces types en ligne, mais eux. Vous croyez qu'ils me suivent? Bien sûr que non. Heureusement que je ne suis pas rancunier. Je commence à me dire que tous les Garrett vont mourir ce soir. Pourquoi voudriez-vous qu'ils meurent tous? Bah, toute cette histoire est une va vaste foutoir sans nom. Personne ne sait qui dirige le navire, enfin le vaisseau dans ce cas. La moitié des Garrett se sont tirés, les autres ils ont l'air à moitié barge. Il paraît que les ingénieurs et les Garrett qui sont à l'intérieur de l'arche tiennent la baraque comme ils peuvent. Mais c'est pas comme ça qu'on est censé partir dans l'espace, si. En mode impro total, je veux dire. On est à la recherche de mon frère. C'est qui votre frère? Il s'appelle Blake. C'est un drogué avec une barbe qui part dans tous les sens. On pense que ces dingos l'ont kidnappé. Ah bon? C'est un dingue? Bah, je suis pas au courant. Moi, décidément, c'est de pire en pire cette histoire. On n'en saura pas plus. Faudrait que je vienne au lac plus souvent, aux oiseaux monstrueux, extraterrestres, vaisseaux spatiaux. Il y a vraiment tout ce qu'on veut ici. Allez, on se rapproche. Par contre, il y avait plusieurs endroits. Attends, je vais juste. Est-ce que je pouvais aller où? Au conteneur. La zone de transit. Le camp de pêche. Ça, c'était vaisseau spatial. Attends, on va quand même regarder ce qu'il y a là. Oula. Donc là, on a les conteneurs. On peut toquer au conteneur pour regarder. Il y a du téléphone. Ouais, 150 trucs. Salut, vous êtes là pour le décollage, je peux vous aider? Alors, quel genre de Garrett êtes-vous? Je suis. Ah, ça m'énerve le truc d'enregistrement là. Je suis un de ces premiers élus, ceux qui ont construit un vaisseau spatial dans les marais. Je suis vertueux et immortel comme notre glorieux chef, le roi des fossés. Le roi des fossés, c'est pas John? John? Je frémis de dégoût en entendant ce nom. John n'est qu'un fou blasphématoire qui porte des tennis tout en exigeant que les Garrett aillent pieds nus.
Si j'avais sa tête, je la montrerais à tout le monde en dansant, en l'honneur du glorieux roi des fossés. T'es sérieux là, petit? Parce que je crois qu'on a sa tête dans le sac. Donnez-la à moi, et je vous montrerai comment je suis sérieux. Si j'avais la tête de John, je la montrerais fièrement à tout le monde pour annoncer le triomphe de Dieu sur cet immense serpent. On est les Garrett du roi des fossés, et on déteste John. Ah! Est-ce que je lui donne ta tête? Attends, on va sauvegarder, parce que... ça pourrait être utile. Ah, le flash. La messagère est là, elle est là, je vous le dis. Oh, béni soit la glorieuse lumière. D'accord, donc ça marche, la lumière. Continue de le filmer, ce dingue. Il va forcément finir par craquer, c'est sûr. Oh, ça, c'est clair. Ses anciens spots se sont débarrassés de lui. Il est trop bête pour s'en rendre compte. Quand même, les Garrett peuvent être, peuvent plus te supporter. C'est le moment de te dire que t'es vraiment moins que rien. D'accord. Ah, je suis occupé là. Mais qu'est-ce que vous faites, Bruce? Qu'est-ce que je fais à votre avis? Je suis chargé du contrôle de sol. C'est qu'on a une arche à faire lancer quand même. D'accord, ça c'est l'autre pimpin. L'ordinateur portable est allumé, un navigateur est ouvert. Ok, merci. Vous cliquez sur les différents onglets. Une carte sur internet centrée sur l'endroit où vous trouvez, un guide d'utilisation pour les cellules d'énergie personnalisées, une page de photos de singes en peluche. Ah ah. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on peut écouter celui-là, mais ça va être le... quand même les gars, ne peuvent plus te supporter. Oui, ok, c'est la même discussion. Du coup, là, ça menait là. Il y a l'entrée, ouais, il y a la zone de transit. Ah, attends. Conteneur. Zone de transit, c'est l'endroit qu'on vient d'aller. Camp de pêche. Le camp de pêche, c'est chaud là. C'est chaud de ouf. Hein. Alors, ils ont pas l'air gentils. Hein. Je l'essaye. Où est le roi des fossés? Où est-il? Dès qu'il se monte, on le fume. Bon sang, vous entendez ça, Kay? Ils veulent tuer le roi des fossés. Ah ouais, ils sont pas gentils. L'autre jour, je regardais un vieux stream de John, celui où Sega et lui sont entrés par effraction, dans la galerie commerciale de la promenade. Il avait 5 ou 6 de cigarettes avec lui. Et l'un d'eux avait un nunchaku. Donc ils sont rentrés dans la galerie commerciale, mais il faisait tout noir. Et leur mec au nunchaku a complètement perdu la boule. Il s'est mis à crier, à faire tourbillonner son arbre dans tous les sens. Et il beuglait. Des chauves-souris, mon Dieu, il y en a partout. Évidemment, ça n'a pas fait un pli. Hein. Les autres gars se sont enfuis en hurlant. John, lui, a allumé l'appareil photo de son téléphone pour aider à trouver les chauves-souris. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien qu'une conduite d'eau qui fuyait. Le mec au Nunchaku en avait reçu une ou deux gouttes sur la tête et il avait aussitôt cru qu'une attaque à une attaque de chauve-souris. C'était rigolo. Comment ça va ce soir, les mecs? Qu'est-ce qui se passe ici? On attend que ce lâche des rois des fossés ose se montrer. Et qu'est-ce qui se passera s'il se montre? Eh ben, j'ai encore enregistré. L'homme vous montre le tireur d'élite positionné sur le toit du camp. Il est là, il est gentil. À votre avis, vous vous cachez pas vraiment, les gars. Le roi des fossés se croit immortel. On est là pour lui montrer qu'il se trompe. On sent. Vous entendez ça, Kay? Ils veulent tuer le roi des fossés. Alors. Là, j'ai les yeux qui piquent. Ah, vache. Les yeux fatigués. On en était où? On a fait tac-tac. Ah oui, on n'a pas regardé. Ce secteur me plaît. Ces types sont vraiment pas là pour rigoler. J'aime ça. Si je leur fais un petit flashouille. Non, ils aiment pas. On va save. Je sais pas si du coup il faut. Je pense qu'il faut vraiment donner la tête à l'autre. Hein. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, il y a les mecs de la soirée. Minotaur. Le sol s'enfonce sous nos pieds alors que je vous parle. De tous les endroits possibles où construire une fusée, pourquoi ces crétins ont-ils choisi une île frappée par l'érosion au bien milieu des marées? Quelle bande de débiles! On essaie d'entrer à l'intérieur de la fusée. Vous êtes loin d'être les seuls. Certains sont juste des curieux qui aimeraient de voir de quoi elle a l'air à l'intérieur. Et puis, il y a ceux qui sont regroupés dans le camp à l'est. Eux semblent animés d'une attention moins avouable. Sans oublier, bien sûr, les gars de base qui ne semblent pas avoir droit d'entrée. Sans doute parce que les zones ne veulent pas d'eux.
J'aimerais pouvoir vous aider, mais c'est tout ce que je sais. Quelqu'un d'autre sera peut-être en mesure de vous renseigner. Pourquoi ce costume? Nous étions à un bal masqué à Shieldwall. Voilà, on se souvient bien d'eux. Ce soir, nous sommes partis juste à temps. Il paraît que la police a encerclé la raffinerie quelques minutes à peine après notre départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fusillade apparemment, encore des coups des pirates, du pétrole j'imagine. Du coup, les autorités devaient intensifier la chasse à l'homme qu'elles ont lancée contre Lucky. Qui c'est ce Lucky? C'est vraiment la meuf pas au courant. Un pirate qui se montre un peu trop entreprenant ces derniers temps à force d'énerver la direction de Shieldwall, il va finir par se faire tuer. J'espère qu'il survivra. Moi aussi, si vous voulez tout savoir. Je crois pas que Lucky ait la moindre idée du genre d'ennemi qu'il s'est fait, mais il le découvrira bientôt. D'accord. Donc toi, tu nous as dit ça. Canette de bière. La vache, je suis au fin fond des marais, c'est complètement dingue. La majesté de cet endroit, c'est une véritable source d'inspiration. C'est vrai que c'est sympa les marais, on vient juste de plonger sous le pont et on a trouvé une voiture au fond de l'eau. Vous êtes plongeur et vous connaissez bien les marais. Si je les connais, je vis dedans depuis que je suis gosse. Mon père nous faisait faire nos besoins par-dessus le plat à bord de son bateau, c'est pour vous dire. Oh, inutile de dire que les marais se souvenaient de notre passage à chaque fois. Ouais, ils faisaient caca dans l'eau. C'est dégueulasse. Rose. Eh, hey, salut. Bienvenue à notre petite fête. Ah ah ah. Pourquoi y a-t-il autant de monde? Franchement, je me demandais la même chose. Un pote à moi a vu un truc en ligne, comme quoi les nazis de la galerie commerciale chez elle a lancé une fusée, et quelque chose comme ça. Comme on n'avait rien à faire, bah, on est venu voir si c'était vrai ou pas. Faut croire que la foi a dû se reprendre. Comment êtes-vous arrivé ici? Pour être franc, c'était un sacré bazar. Les dingos de la fusée s'étaient mis en tête de construire une route depuis Canaire. Et vous me croirez jamais si je vous dis comment ils y sont faits en empilant des coquillages ramassés dans les marais. Évidemment, dès que les premières voitures ont commencé à s'engager sur leur route, elles s'est enfoncées dans les marais. Du coup, un pote à moi a sa bagnole dans un mètre d'eau en bordure de la paroisse. Après, les gens sont venus en kayak, en barque, en canot gonflable, bref, tout ce qui flotte quoi. Nous, on s'est garé près du lac et après on a marché le plus loin possible le long de leur route improvisée jusqu'à ce qu'un type avec des lunettes de ski nous invite à monter à bord de son radeau, qui avait l'air de faire des figures et d'autres trucs divers et variés. Après, si vous voulez vraiment savoir comment on est rentré, Mystery Bulldogum. D'accord. L'autre allée, fracasse. Comment est-ce que ces débuts de la galerie commerciale ont bien pu construire un truc pareil? Ça n'a aucun sens. Après ce que j'ai entendu, Shieldwood aurait refilé de l'argent à Kenner John, et il s'en est servi pour engager une équipe d'ingénieurs afin de la construire. Sérieux, j'y crois pas du tout. Eh, c'est juste ce que j'ai entendu. C'est marrant parce que moi, j'ai entendu dire que c'était grâce au financement participatif. Il a fait une cagnotte litchi. Alors, comment ils ont fait pour garder ça secret? Aucune idée. J'ai un ami qui connaît un Garrett. Il m'a dit qu'un des spécialistes aurait été engagé pour la construction, mais pour ce qui est de la conception, les Garrett s'en sont chargés eux-mêmes. Et ils sont capables de la piloter? Alors là, aucune chance. Hein. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Hein. C'est pour les voir se faire exploser la tronche à ces racleurs de bidet. Sois pas aussi vache avec eux, Rico. Bah quoi, c'est des Asies. Bien sûr que non. Clair que c'est pas des... C'est putain, ils aiment bien le mot là. Hein. Juste des couillons qui croient que tout ce qu'on leur raconte. Oui, enfin, les mecs ont squatté une ancienne galerie commerciale et construit une fusée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait à part aller boire des coups à Saint-Sauveur? Ils sont cool, ces garettes. Les couillons, c'est nous dans l'histoire. Voilà. Ah, j'ai plus de voix avec ce jeu. Ce jeu m'exténue. Et on avait l'entrée. On n'avait pas fait. Allez. Génial, d'autres pourritures de hipster. Pourquoi cette tenue? Vous aussi, vous allez vous y mettre? C'est quoi le problème? Tout le monde l'adore, ce costume. Vous savez quoi? C'est tout ce que font les gens comme vous. Portez un costume chaque jour de votre vie, vous enfilez des costumes en espérant que les gens le remarqueront. La différence, c'est que moi, ça, je le porte pour moi. Où sont passés les polos? Mais c'est le gars... C'est pas le mec qui avait vomi... qui avait mangé le casse-dalle, là? Garrett. Maintenant que c'est le roi des fossés qui dirige, on a le droit de porter tout ce qu'on veut. Au moins, qu'on se marre avec vous autres. Je vous adore, les mecs. Et moi, je hais tous les moins que rien. Ouais, franchement, vous êtes géniaux, les autres, Garrett. Changez rien, surtout. Hein. Je ne suis pas avec ces gens. Comment ça, ça a pu arriver? C'était censé être une petite cérémonie réservée aux Garrett. Et maintenant, il y a tous ces débiles qui viennent nous enquiquiner.
Et en plus de ça, je ne peux même pas rentrer à l'intérieur de l'arche, vu que la sécurité a été renforcée, depuis que ces abrutis ont débarqué en masse. Et maintenant, voilà qu'il faut une carte magnétique pour pouvoir rentrer. Qui a une carte magnétique? Les ingénieurs et les Garrett chargés de la sécurité, mais les ingénieurs surtout à l'intérieur, à préparer le décollage. Les Garrett de base comme moi, bah tout le monde s'en fout. Ok. L'entrée est bloquée par la foule. Et enfin, le dernier. Ouais, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Que faites-vous là? Je participe aux recherches autour du lac. Il y a toute une équipe dans une base à la branche. Les chercheurs ils se sont installés dans un ancien camp de pêche et m'ont recruté pour régler leur équipement de surveillance et d'analyse. Je faisais la tournée des caméras pour vérifier qu'elles fonctionnaient bien, quand d'un seul coup, j'ai vu plein de gens arriver vers mon embarcation, en nageant, de nuit. Sans me demander mon avis, ils sont remontés à bord et ils ont été tellement nombreux que ma barque a failli se retourner. Après ça, ils en ont pris le contrôle et je me suis retrouvé amené ici sans avoir rien demandé à personne. Et maintenant, mes pirates qui m'ont pris la clé du moteur de ma barque, bah, ils sont là quelque part à faire la fête. Comment vous allez repartir? Bah, figurez-vous, je me pose justement la question. Quelle est la teneur de vos recherches? Un réseau viral a infecté la plupart des arbres de la région. Les racines de plusieurs cyprès sont devenues iridescentes. Et elles transmettent désormais de l'électricité. C'est comme si la totalité des marais était en train de devenir une genre de cerveau géant. Je vois pas comment appeler ça autrement. Et quelque chose a changé au cours des dernières semaines. Les cyprès des conducteurs d'électricité meurent les uns après les autres. Et la terre s'affaisse à un niveau, comme si l'érosion y était plus prononcée qu'ailleurs. J'ignore quelle est la nature exacte de ce réseau viral, mais une chose est sûre, elle est en train de se contracter. Qu'est-ce qui peut bien causer cette contraction? Les données dont nous disposons laissent entrevoir le fait que le système aurait subi d'importants dégâts. Une charge électrique, décharge électrique particulièrement violente qui aurait surchargé les circuits. La foudre peut-être, ou une intervention de Chilwell, allez savoir. Nous n'avons pas la moindre idée de la cause de ce phénomène. D'accord. Et avec tout ça, je sais pas si on va finir le jeu ce soir. Monsieur Wistichi. Non. Ouais, donc en fait, c'est ça. Il faut qu'on se casse os. Parce qu'on peut aller là. De toute façon, là, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Ah, il y avait lui qu'on n'avait pas parlé. Un homme en armes surveille les environs assis sur une chaise pliante perchée sur le conteneur d'expédition. Groump. Ah, notre ami Groump. Hey, qui habitait toute cette racaille à notre petite fête de lancement? C'était réservé aux Garrett, normalement. Vous êtes un Garrett d'élite? Ouais. J'imagine que je suis le tout premier Garrett, en fait. Mais John ne m'a pas laissé devenir un vrai Garrett sous prétexte que j'ai pas réussi à trouver les évangiles débiles. Alors, t'es un Garrett ou t'en es pas un? Ah, évidemment que je suis un Garrett. Je suis même LE Garrett. Alors, pourquoi il y a marqué Groumph sur ton badge? Quand on arrivera sur Mars, tous les autres deviendront des Groumph. Et moi, je serai le seul, l'unique Garrett. Papy me l'a promis. Je veux même pas savoir ce que c'est que cette histoire. On voudrait entrer dans l'intérieur de la fusée. Même pas en rêve. Seuls les Garrett ont le droit de rentrer dans l'arche. Pour pouvoir venir sur Mars avec nous, vous auriez dû mériter votre badge depuis longtemps. Je suis le seul ici qui ait la clé magnétique pour rentrer. Alors hors de question que je la prête à un moins que rien. Je ne suis pas une moins que rien. Bien sûr que si, vous êtes comme les autres. Vous avez tous des parents riches, alors pourquoi vous vous habillez comme des clodos? Qu'est-ce que tu racontes, petit? La famille de Kay n'a rien du tout. Que dalle. Ils sont plus pathétiques que les autres. En fait, c'en est presque gênant. Bah si, évidemment que c'est une moins que rien. Fin de la discussion. Écoute, petit. Laisse-moi juste jeter un coup d'œil à votre fusée, d'accord? J'ai toujours rêvé de visiter un vaisseau spatial. Hors de question, mon vieux. Allons, un petit effort. J'ai dit non, c'est non. Dans quelle langue faut le dire? Alors, peut-être que... C'est John, sa tête. J'ai sa tête, comme le roi des fossés. Je suis comme le roi des fossés, j'ai la tête de John, j'ai sa tête. Écoutez-moi. Wow, il est tout content. Écoutez-moi tous, j'ai fidèlement servi le Seigneur en faisant ce qu'il attendait de moi. Ah bah, succès, vous allez donner la tête de John au faux papy. Ah bah il est là, bonjour. Je suis celui qu'on nomme le roi des fossés.
J'ai tranché la quête de Kenerjan. Je l'ai fait souffrir car il ne marchait pas pieds nus. Comme nos pères dans le désert, ce blasphémateur portait des tennis. Arrêtez de frapper, ça tombe dans ma tête. C'est insupportable avec la gueule de bois que je me tape. Ouais, c'est ça, bonne idée. Fichez le camp. Ah. Ah. Oula. La messagère est là, ne voyez pas. Elle n'a jamais été pour John, car John est un mécréant, il portait des tennis. Oui, vous avez bien entendu, John portait des tennis. Ah, mais du coup, il nous aide pas, lui. Il faut vraiment que Gareth se calme et arrête de raconter à tout le monde que c'est le roi des fossés. Parce que si ces mecs de l'autre côté l'entendent, ils vont finir par lui faire la peau. Ah. Et il faut l'enregistrer et montrer le truc à l'autre. Des anciens potes de John, ils sont venus quand ils ont appris que papy voulait prendre le contrôle. Mais oui, on va créer le bordel. Oui, c'est bon, on a compris. On a comprendé. Attends, tu fais ça. Voilà, là on a enregistré le petit son. On va quand même vérifier. Voilà. L'homme du fossé n'est autre que papy. Attends, papy. Attends. Puis il y en avait Lucky, Thomas Sinclair, Chilwell, Laura. Oui, ça c'était le grand-père Peter Mélan, ça c'est pas le même, ok. L'homme du fossé n'est autre que Papy. Un ancien habitant de Norco qui était persuadé que votre mère descendait en ligne droite de Jésus-Christ. Ben oui, mais de son, je doutais que c'était lui. Enfin, je sais pas, ça me semblait évident. Ok, bon, pas vraiment un grand scoop. Pas un scoop de ouf, quoi. Voilà, c'était là. Alors attends, parce qu'on va foutre le box. Parce que du coup, il y a deux snipers. Il y a un sniper avec l'autre et un sniper ici. Ça marche pas, mes alertes. Hein, je suis dégoûté. Bon, ça marche pas, mon chat. Hein. Il est cassé. Hein. Il est cassé, cassé. Alors, du coup, on va faire... comment on va faire? Par contre, on va peut-être effacer les vieux. Ah mais du coup, attends, faut que je parle au gars. C'est lui. Où est-il? Là-haut, sur le conteneur d'expédition. Knuckle. Ouais, Chuck. On a une position. Où il est, Chuck? Sur le conteneur d'expédition. Commence par un petit tir d'avertissement, ok? Pas la peine d'en dire plus, Chuck. Et là, il va tirer sur le mec, il va le louper, il va tuer l'autre gars qui est derrière, le Groomfle, et on va pouvoir peut-être récupérer sa carte. Et bim! J'ai fichu la trouille à la cible, Chuck.
Bon boulot. Ok. Ah ouais, d'accord. Où est-ce qu'ils sont tous partis? Un seul petit coup de feu de rien du tout et tout le monde file la queue entre les jambes. Ah mais du coup, on peut aller à l'entrée. Alors, faux papy. Ils ont tiré sur Grumpf, c'est pas vrai, c'est moi qui le visais. Ah bah tiens, qu'est-ce qu'on disait? Où ils sont? Allez-vous en dégager, ou ils vont finir par me réparer, m'a repéré. Ah bah tiens... Qu'est-ce qu'on disait, tête d'oiseau? Encore vous? Vous suivez le chaos partout où il va, c'est ça? Qui êtes-vous? Un homme déguisé en oiseau qui se tient au pied d'un monument érigé à la gloire de la stupidité humaine et de la mort. Et vous êtes une jeune femme sans visage qui flotte au cœur d'un monde figé dans le temps sans véritablement le voir. Et moi, qu'est-ce que vous savez sur moi? Vous êtes un privé minable qui dort à côté de ses toilettes et qui travaille dedans. Si ça se trouve, encore que travailler ne soit pas vraiment la chose que vous fassiez souvent ces temps-ci. Vous avez peur de vous retrouver seul avec vos pensées, à tel point que vous parlez tout le temps pour les faire taire. Bah mince alors, et moi qui croyais que vous étiez un marrant. Parce que vous en êtes un. Burp. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ce qui se passe. Les oiseaux observent tout, des fois que vous n'ayez pas remarqué. Quel mouvement? Les affaires de ce monde dépassent beaucoup ce que vous pouvez imaginer dans les ténèbres de votre esprit. Les lueurs mentales s'illumineront et brilleront pour un temps. Mais elles brûleront bien plus vite tout l'oxygène contenu sous votre crâne. Pourquoi étiez-vous au bal masqué? C'est simple, ma fille travaille là-bas. Et c'est la seule soirée de l'année où je peux aller la voir sans me faire repérer. C'est le père. C'est Thomas Sinclair. C'est le père. Il disait que jamais personne ne l'avait vu à la soirée. Ah mais c'est sûr, l'oiseau c'est Thomas Sinclair. C'est dommage que je peux pas... Bah oui, mais c'est sûr, c'est lui. Qu'est-ce qu'on peut... Attends, mais le compteur geyser, c'est pareil, du coup... Finalement, là, jamais... Mais qu'est-ce qu'il y a, bon sang? Bah oui, c'est ça, bonne idée, ficher le camp. Ah, mais arrête d'enregistrer, toi. Gumpf se tord de douleur, il a pris une balle. Bien fait. Vous approchez du garde blessé alors que Leblanc commence à fouiller dans les poches du malheureux. Hey, qu'est-ce qui vous prend? Laissez-moi tranquille. Hey, il s'est pris une balle, mec. Vous essayez vraiment de dépouiller un blessé? Bah, maintenant que vous me posez la question, ouais. À l'aide, faites quelque chose. Tournant le dos à l'homme, chapeau, Leblanc pose une main sur l'épaule du garde blessé, tout en continuant de lui faire les poches de l'autre. On la coule, petit. Les secours arrivent. Vous avez appelé une ambulance? Moi, non, mais quelqu'un a forcément dû le faire. Voit une carte dans la poche, revolver du garde. Leblanc la glisse dans la sienne. Allez, salut, bonne chance. Voilà, hop, c'est bon, ça c'est fait. Du coup, on a fait le corbeau, on a fait lui. Ah tiens, on fait lui. Bon sang, c'est quoi ça? Cette petite fête commence à me faire flipper, là. Ok, on se casse. On a la case. On a la clé du paradis. On peut complètement se barrer. Qu'est-ce qu'on fait? Attends. Du coup, on va quand même... Voilà. Hop. Du coup, là, il n'y a plus personne. Un lecteur de cartes magnétiques. On va passer le Wistiti. Non. La carte ou net. Le panneau se met à clignoter d'un éclat vert. On dirait que ça a marché. Wow. Ça y est, on est dans la fusée, mec. Ça a toujours été un rêve de gosse, avoir la possibilité de faire le tour d'un vaisseau spatial. Par contre, j'espère juste qu'il ne va pas décoller avec nous à l'intérieur, parce qu'à mon avis, c'est le fail assuré, ce truc. On dirait que c'est du sérieux, leur affaire. Hein. Je me demande si ces gars sont au courant de tout le bazar que c'est là-haut. Que c'est... l'adore. Voilà. Tiens, vous avez vu, notre pote est là. Je sais que dit comme ça, c'est bizarre, mais franchement, j'ai presque l'impression qu'il vous fait de l'œil. Ah, ça flash.
La vache. J'aimerais bien que quelqu'un m'embrasse comme ça un jour. Qu'est-ce que vous fichiez pendant que ce truc était dans votre poche? Kay, ça va? Parce que vous avez pas l'air dans votre assiette, hein. Et que ce baiser qui vous a tout retourné. Qu'est-ce qui se passe? Un peu d'air frais, vous ferez peut-être du bien, on va faire un petit tour. Peut-être qu'il vous faut juste un peu d'obscurité. Vous voulez que j'éteigne la lumière? On devrait pouvoir trouver un coin sombre. Ou faire quelques pas. Les canyons de la Lune, par exemple. Vous croyez qu'ils sont aménagés des promenades là-haut? Je parie que la nuit, le fond de ces canyons doit s'attiller, comme le bayou fantôme. Et vous savez pourquoi il rit, le bayou? Pour vous montrer où y aller. Si ça se trouve, c'est partout pareil, la lumière indique la route à suivre. Ça va, petite? Ouais, je sais que ça va aller, vous m'entendez, ça va aller. D'accord, musique bizarre. Un truc à faire, un bouton. On monte à l'échelle. Waouh. On monte encore à l'échelle. Ah, comme ça, cache direct. Direct le battle. Bon, ben écoute. Ah, ouais, il y a 4 Garrett à défoncer. Et il y en a d'autres derrière en plus. Hein. Je peux partir. Bon, écoute. Attends, il a pris que ça comme dégâts, le gars? Attends, mais il y a à chaque fois un gars qui remplace les gars. Elle peut faire l'attaque à tout le monde? Ah mais l'herbe elle est éclatée en fait, d'accord. Non mais je peux pas faire l'attaque groupée à tout le monde. Ah, il n'y en a qu'un qui a été remplacé là par contre. On va faire lui. Hein. Ah, là ils reviennent plus. C'est bon. D'accord. Là c'est bon. C'est facile. Bah, j'ai pas envie de faire la horreur. Ah, par contre, oui, d'accord. Il faut que. Ah, oui, d'accord. Oh, mais John, il est bidon. Il est bidon. D'accord, donc là on a défoncé John, ça va. On a défoncé John et les Garrett. J'aime pas monter tout en haut de la fusée, hein. Ça me fait flipper quand même. Hein. Il y a des hommes morts avec des pistolets, c'est bizarre. Hein. Ça sent la fin. Par contre, ça part loin. Est-ce que tu crois que ce que je crois que... J'avais été sûr. On va affronter tous les trucs en plus. Bon, là, si on lui fait la totale... Ah, si, attends, ah si.
peut-être le garde d'abord. Waouh. Ok. C'est bon, ça passe. Ça passe, mec. Voilà, j'ai fait un peu de la merdasse. Je suis en manque de réflexe. Ah, ça va, c'est des petits dégâts. Hein. Et allez, on monte encore un petit peu. Ah. Ah, on va peut-être affronter le piaf. Le piaf maléfique. Super Duck. Et ben voilà, complètement. Oh non! Oh non, on a pu... Voilà. Pélican. C'est complètement éclaté. Hein. Ça va, heureusement qu'on a l'orbe. Hein. Parce que l'orbe, elle casse tout, quoi. Disque neuronal. Ah, du coup, on affronte ouais, Super Duck. J'ai pas regardé la fin. Voilà. Oh, il est explosé le truc. Bizarre. Ah, puis musique, est-ce qu'on aurait tout détruit? Ah, on est tout seul, alors déjà, ok. On va aller à gauche ou à droite? On va aller mezzanine, rue du berger, ok. Une statue se dresse devant vous, ses multiples bras tendus tout, dans toutes les directions, tels les rayons du soleil stylisés. Alors, déjà... Attends, tu vas me dire que je peux pas sauvegarder? Mais on a même pas tout... Et pourquoi la tête engloutie, mais on a les flous? On avait des flous tête tout à l'heure. Bizarre ça. La mezzanine. Ok. Ah bah si, on peut sauvegarder. Mais qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Bon, de toute façon, là, ça sent la fin. Je sais pas si l'autre est mort ou pas. Ah, on est sur du gauche-droite, quoi. D'accord. Si je vais là. Ah. Au loin, les lumières de Chilwell brillent de l'autre côté du lac. Il y a quelqu'un, le blanc. Oh merde, le détective privé partiellement affalé sur la rambarde, souffrant de plusieurs blessures.
Qui a eu l'idée de mettre un balcon sur un vaisseau spatial? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je vous avais dit de faire marche arrière. Pourquoi vous n'écoutez jamais? Si vous pouvez encore vous enfuir, faites-le. Vous avez couru dans tous les sens, en cognant les murs, en renversant tout. J'ai essayé de suivre, mais vous m'avez semé. Je suis venu ici pour tenter de vous retrouver, mais le Vioc... Oh merde. Je me vide de mon sang. Mes yeux se ferment tout seul. Je vais vous aider à vous relever. Non, non, me touchez pas. Allez-vous-en. Et écoutez, si vous voyez Gus, dites-lui que je me suis fait tuer par un vieux pervers, ok? Il pourrait trouver ça marrant. Dites-lui plutôt que... Dites-lui pas, pardon. Ouais. Dites-lui plutôt que c'était un animal sauvage, comme un gros raton laveur. Non, peut-être pas un raton laveur. Il a du mal à pas perdre connaissance. Mais dites-lui que c'était un alligator, surtout. Dites-lui pas que c'était un alligator, putain. Il répète toujours qu'il connaît mieux les marais que moi. Et bon sang, je crois bien que je suis en train de crever, Kay. Il vous attrape le bras. Cette lumière, elle est si belle, si pure. Sa respiration ralentit, cligne lentement les yeux. Puis il est pris d'un spasme et vous lâche le bras. Le détective a fallu sur la rambarde. Bon. Un mort de plus. Ce soir, il y a du mort. Hein. C'est triste. Mais. Attends, je vais quand même sauvegarder du coup sur le truc. Parce que j'ai voulu faire celui-là pour changer un peu les trucs, mais... Bah, je sais plus où je m'étais arrêté en plus. Bon, bah, là, c'est pour l'instant. De toute façon, là, si je comprends bien, on a que le choix de faire. Si on fait ça, on revient. À... Ouais, voilà, c'est ici. C'est... De toute façon, on a que le choix d'aller là. Après, là, on peut aller à gauche ou à droite. Parce que les deux amènent au même endroit. Écoute, on va commencer à droite. Non, je vais faire autrement. Pour être sûr, c'était bien ici. Pour avoir... Tac, tac. Je vais aller à gauche. Et je vais sauvegarder seulement sur ma sauvegarde, la deuxième. Des fois qu'il y a une influence différente suivant la porte. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Je suis pas sûr, mais on sait jamais. Voilà, on peut que aller là. Voilà, on est dans le bureau de l'autre. Ok, d'accord. Mais attends. On n'est plus dans la fusée. Non, mais du coup, on est dans les bâtiments de Shieldball. Ouais, je comprends plus rien, moi. Comment ça se fait qu'on est là? Enveloppe. Sortant la feuille qui se trouvait dans l'enveloppe, vous découvrez un dessin sommaire de votre famille. Attends, était. Ouais, c'est bizarre le truc, là, machin. Et celui qui est triste, et celui qui est placide. Et il y en a avec les trucs morts. Nous, on a le placide, le triste. Le mort, ça serait notre mère. Tiens, Kay, tu viens regarder les flammes avec ton papy. J'espère que ça ne te dérange pas que je sois là, à l'intérieur de ce souvenir béni. La raffinerie est si belle la nuit tombée, tu ne trouves pas? Et elle brille encore plus dans ton esprit. Merci de m'avoir permis de te rendre visite, ne serait-ce que pour un instant. J'espère avoir une petite conversation avec toi avant le début de notre périple. J'ai vécu de nombreuses vies, dont une dans cette ville. J'ai assisté à sa construction, j'ai vu les terres et les plantations transformées pour accueillir des machines. Ça gênait personne que je sois là, à attendre que les pièces du puzzle s'assemblent. Sans doute parce que les gens ne me remarquaient pas. Tout comme ils ne te voient pas, Kay. Les bombes à retardement sont des machines à changer le temps. Elles libèrent l'avenir dans nos rues. Cette raffinerie en était une, avec ou sans moi. Il lui a fallu moins d'efforts qu'on aurait pu le croire pour détacher le futur de son collet. J'ai creusé un trou dans le tuyau en coude à l'aide d'une lime. Et j'ai laissé un servomoteur dans une boîte de trésors pour l'aider à frapper. De petites choses, de petites boîtes, des petits cailloux, ça suffit pour qu'une ville explose. Et tout comme John, Blue avait disparu. Il ne nous dérangeait plus. Attends.
Putain, j'ai les yeux qui piquent. Alors, parce que là, on va y arriver quand on va finir le jeu. C'est pas possible, ça. Je suis ce qu'on a dit de moi. Je n'ai jamais été jeune, j'ai traversé les âges. J'ai parcouru les sables de Nazareth, les steppes et les océans pour finalement arriver ici, né dans chaque illusion d'espérance, une prothèse que j'ai fait au jeune homme au visage délicat, au milieu des Romains. Toujours pour trouver notre frère. Un royaume céleste pour cette terre. Cela ne pouvait pas être. On était tous assis dans la cabane au milieu des figuiers, à la lumière des étoiles qui nous parvenaient entre les lattes du toit. Celle qui portait sa semence a tendu le doigt vers l'horizon en me disant « Vieil homme, tu vis éternellement. Emmène ses enfants là-bas. C'est là que son royaume les attend. Alors, c'est ce que je vais faire, tu comprends ?» Vous êtes complètement fou. C'est vrai que nous avons tous perdu la raison. Nous autres qui parcourons cette terre depuis toujours. Mais nos frères nous attendent au ciel. Je sais que c'est vrai. Pourquoi ma famille ? Parce que tu es la dernière de sa lignée. Après toi, il n'y en aura plus personne. C'est quelque chose que ton grand-père savait. Il a essayé de le dire aux autres, mais personne ne l'a cru. Comme toujours, quand on dit la vérité aux gens. Qu'est-ce qu'elle a découvert ? Une messagère, un ange porteur de la lumière divine, qui nous guidera et nous protégera au cours de notre vol. Les anges, ça n'existe pas. N'as-tu pas prié, alors que le train de marchandises avalait les kilomètres au lieu de la nuit ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait prié. N'es-tu pas agenouillé devant la Vierge Marie pour qu'elle purifie ton âme ? Tu connais toi aussi la lumière clarificatrice, faisant disparaître tous les doutes. C'est l'essence même de la foi. Je t'ai préparé ta chambre. Quand tu entreras, je serai là, ainsi que ton frère, bien sûr, et ta mère, ça va sans dire. Ton siège t'attend, au pied de son trône. Assieds-toi dès que tu seras entré. Mon enfant, nous allons laisser les péchés de ce monde derrière nous. Ouais. Ok, le jeu il part bizarre. N'oublions pas que nous avons été à gauche. Ah, par contre, est-ce qu'on n'est pas obligé de faire gauche et droite ? Je peux rien faire. Ah. Regarde, pour activer la porte centrale, il faut aller faire à la gauche et à la droite. Le jeu m'a feinté. J'ai cru qu'il y avait une ruse. Vous errez dans le couloir sombre. La porte se referme derrière vous. L'obscurité qui vous entoure est totale. Continuez d'avancer dans le couloir. Vous avancez à petits pas en touchant le mur de la main pour vous guider. Il n'y a pas la moindre lueur dans le couloir. Vos pas vous semblent soudain plus légers et vos pieds ne font plus le moindre bruit en touchant le sol. Quelques mètres plus loin, la texture du sol s'adoucit comme si vous marchiez soudain sur du tissu. Dans le même temps, le mur devient lui aussi flexible sous vos doigts. Vous faites volte-face pour retourner à la porte sans perdre une seconde et à cet instant, vous apercevez que vous flottez dans l'air. Côté écueil, il n'y a pas la moindre gravité dans le vide où vous vous trouvez, pas plus qu'il y a de mur ou de plancher. Loin, en dessous de vous, si vous regardez longuement avec patience, vous parvenez à discerner les méandres du Mississippi. Vous apercevez également les étangs, canaux et lacs de toute la région du golfe du Mexique. Les raffineries se mettent à briller devant vos yeux, vous sentez également leur présence au fond de vos poumons. La banlieue est pleine de vie ce soir, la banlieue est pleine de vie. La ville est indescriptible ce soir, la ville est indescriptible. Cette nuit, la côte semble s'ouvrir en grand et les bayous se cachent. Votre maison est silencieuse ce soir, vous allez l'abandonner cette nuit. Vous quittez cette soirée sans fin pour replonger dans votre rêve délirant. Promenons-nous une dernière fois dans cette maison, alors que l'eau de la crue ne cesse de monter. Waouh. L'humidité se fait de plus en plus pressante, la raffinerie devient presque vivante et la présence semble s'insinuer un peu dans la fenêtre. Posez les pieds sur la moquette, elle est trempée. La station de pompage doit de nouveau être en panne. Votre mère va encore devoir changer toute la moquette. Les fossés vont se remplir d'eau
et nul ne pourra échapper à la crue, ni dans la mort, ni autrement. Ah ouais, d'accord, on est là. On peut regarder par la fenêtre. Des roitelets volaient dans le ciel nocturne, apparaissant et disparaissant dans le noir. Ils émettent une lueur qui n'a rien de naturel. Ils communiquent par signaux à propos du moindre geste que vous faites. Et dès que vous détournez le regard, ils vous observent de près. D'accord, d'accord, mec. Regardez Monsieur Wistiti. Monsieur Wistiti vous sourit. Ses yeux s'écarquillent, devenant de plus en plus gros. Il ne reste rien d'autre que Monsieur Wistiti, de Monsieur Wistiti que ses yeux. Vous déplacez. D'accord, on est ici. Hein. On va aller au salon. C'est quoi ça? Cuisine? Salon? Ah, bien sûr, il faut faire tous les endroits, d'accord. Votre mère est assise sur le canapé du salon, regardant par la fenêtre. Elle ne semble même pas voir que vous êtes entré. Vous asseoir à côté d'elle, vous vous asseyez sur le canapé, l'obligeant ainsi à remarquer votre présence. Quand elle se tourne vers vous, son masque d'indifférence se dissipe. « Si seulement tu étais revenu un peu plus tôt, » dit-elle en vous prenant dans la main. « Nous aurions pu prendre le petit déjeuner ensemble, ou quelque chose comme ça. J'en ai rêvé, tu sais. J'aurais tant voulu. C'est tout ce que j'espérais, » fait-elle, en souriant, « que tu l'aurais voulu. » Elle vous prend dans ses bras, non sans une certaine gêne, puis vous embrasse sur le front avant d'essuyer ses larmes d'un revers de manche. Elle baisse les yeux vers ses pieds. L'eau ne cesse de monter. Vous hochez la tête. « Bon, je ferai mieux de... » commence-t-elle, avant de se lever et de quitter la pièce. La télévision vous montre l'explosion de la raffinerie au moment où vous vous mettez aussi debout pour vous en aller. Allez, cuisine. Des cafards s'égayent en vous entendant arriver. Ils se nourrissaient apparemment des miettes et des médicaments éparpillés sur la table. Il y en a partout, et certains déjà morts. Flottent dans l'eau qui ne cesse de monter. Ouvrez le four à micro-ondes. Vous ouvrez la porte du micro-ondes, et à l'intérieur vous voyez la tête du lac, les yeux fermés, comme celle d'un homme en train de dormir. Vous refermez précipitamment la porte du four, faisant voler quelques miettes que les cafards ne tarderont pas à manger. Buanderie. La buanderie vous a toujours fait peur. Blue se tient debout dans le coin, le front appuyé contre le mur. Il se redresse et se tourne vers vous en vous voyant arriver, serrant nerveusement une serviette dans ses mains. Parlez à Blue. « J'aurais voulu être là, vous explique-t-il. Je sais bien que ce n'est pas ce qui s'est passé, mais c'est ce que j'aurais voulu. » Et puis il s'était, attendant manifestement une réponse de votre part. « Moi aussi, j'aurais bien voulu. Tu étais trop jeune pour vouloir quoi que ce soit, Kay. Tu ne te souviens même pas de moi. » Comme si je n'ai jamais fait partie de ta vie. Et je ne t'en veux pas, tu n'y es pour rien. C'est comme ça, c'est tout. Il pose la main sur le mur et commence aussitôt à se dissoudre. C'est juste qu'on ne pense pas. Il contemple l'eau qui avance sur le lino. Que ça peut mal se passer. Et quand ça arrive, on en vient à se dire que ça n'aurait pas dû se passer autrement. C'est ça qui me mine. La lumière diffuse du jardin commence à traverser le plafond, le mur, quand il appuie plus fort dessus. Je ne sais pas. J'aurais juste voulu être là. C'est ce que je tenais à te dire. La lumière semble engloutir votre père et le mur qui se matérialise devant vous. Rematérialise. Tandis que la buanderie plonge dans les profondeurs de la Nouvelle-Orléans. Allez. Bon, on va faire salle de bain. On va faire les deux dernières chambres à la fin. Il y a du texte ce soir. C'est que du texte. J'ai l'impression que ça fait 2 heures que je lis. Dès que vous entrez dans la salle de bain, vous vous retrouvez sous la douche allumée. Coupant l'eau, vous en sortez et vous essuyez rapidement en approchant du miroir. Vous essuyez la buée sur le miroir, ce qui vous permet de vous voir pour la première fois. Vous avez les yeux verts et les cheveux bouclés. Vous ressemblez à votre mère, à votre âge, quand elle souriait à côté de Blue. Il y a une petite cicatrice au-dessus de votre œil gauche. Vous avez une croix en argent pendue autour du cou. Vous vous éloignez du miroir, mais votre reflet persiste. On a la bague, mais on n'a toujours pas utilisé la bague. Finissez de vous sécher et jetez la serviette dans l'eau qui ne cesse de monter. Puis vous habillez, vous quittez la pièce en éteignant la lumière. Votre reflet dans le miroir finit par se décomposer dans les dernières lueurs projetées par l'ampoule. Un visage déformé, des yeux réduits à de simples petits points et une bouche dessinée au trait qui lutte pour survivre quelques instants de plus. La chambre de Blake. Terminé par les chambres. Allongé sur son lit, Blake fait défiler l'écran de son téléphone. Vous passez la tête par l'entrebâillement de la porte et il lève les yeux vers vous. « Hum, » dit-il manifestement irrité.
On peut faire trois petits points ou trois petits points? Trois petits points. Répondez-vous, il semble vous être attendre. Alors, comment ça tu t'en vas, semble-t-il penser. Votre expression surdurcit. Il haussa les épaules. Et vous en faites autant. Vous lui faites un signe de la main et alors que vous vous éloignez de la porte, Blake tombe dans un lac plein d'étoiles. Chambre de Catherine. C'est bon, on y arrive. Vous avez désormais de l'eau jusqu'aux chevilles alors que vous entrez dans la pièce. Il n'y a pas grand-chose ici. Un lit, une lampe de chevet, un calepin et une petite photo de vos parents. Regardez la photo. Elle est jeune, votre âge environ. Et a de longs cheveux bruns. Le teint olivâtre. Il la regarde avec une expression amusée, vêtue d'une chemise en jean tachée de rouille. Elle s'appuie contre lui, la tête sur son épaule, et ils se tiennent par le petit doigt. La lumière du soleil traverse les frondaisons du chêne pour faire comme un halo autour de la tête de votre mère. Lâchez la photo, elle tombe, et la pièce en fait autant. Elles tombent ensemble. Bureau. L'échelle grince dans le cas gibis secret alors que vous descendez jusqu'au niveau de l'eau. La tête de Milon pendouille sans vie, son manteau à quelques centimètres seulement de la surface de l'eau. Lorsque vous avancez vers elle, son visage détruit se redresse lentement et sa voix déformée en sort un crépitement électrique. « Kay, vous êtes réveillé, » vous dit-elle. Une sphère de points lumineux clignotant derrière ce qu'il reste de son visage. « Je tenais à m'excuser pour mon comportement. » Tu as essayé de me tuer. Sa tête se met à trembler. Elle tente de se lever mais perd l'équilibre et retombe aussitôt dans l'eau. Vous voyez, je suis toute cassée. Ses mouvements deviennent de plus en plus erratiques, comme si elle était prise de spasmes causés par son désespoir. Vous avez vu ce qu'il y a dans mon esprit, un bosquet caché par la noirceur de la nuit où un chasseur est tapis. Par moments, il s'impose au reste de ma conscience, me traînant jusqu'à un lieu où le sol brille d'un éclat rouge. Une haine indictive en jaillit, le tourbillon de rage, bref. Elle lève sa main et touche d'un bout de doigt son processeur, niché au cœur d'un maillage d'une grande délicatesse. Celui-ci se met à luire plus fort, comme si elle devait soudain faire un plus grand effort pour penser ou se concentrer. « C'est là que vit le chasseur », explique-t-elle. Son ton de voix chansant du tout-tout-tout quand elle triture l'étrange dispositif qu'elle cherche à vous montrer. C'est de là qu'il a écouté votre mère et ses étoiles. Ce sont ses yeux, poursuit-elle en tapant d'une faible revers de la main les bouts ébréchés de verre renforcés qui ornent le tour de son visage. Elle secoue violemment la tête et des cristaux de glace tombent en pluie dans l'eau, qui est désormais presque au niveau de son cou. Que suis-je alors? Si je m'excuse, cela signifie-t-il quelque chose? L'eau continue de monter, atteignant à présent le sommet de son crâne. Elle parle toujours, mais les sons qu'elle émet sont devenus incompréhensibles et bien vite, elle se retrouve totalement engloutie. Vous nagez dans l'eau noire, en direction de la lumière du grenier, alors que la pièce est aspirée dans les profondeurs de la banlieue. Le visage de Midian semble suspendu dans le fluide de vos yeux, alors que vous flottez dans le vide du ciel de la Nouvelle-Orléans. Mais là, c'est quoi ça? C'est ce qui est en train de se passer? Il y a vraiment une inondation ou là on est dans le... Qu'est-ce qui se passe en fait? Je comprends pas tout. Là. Et voilà, c'était... Ouais, on a eu un... Voilà, attendre que ça s'arrête. Oui, on a eu un trip là en rentrant dans la pièce là, oui, d'accord. C'est pas quelque chose qui s'est réellement passé, quoi. On a eu une expérience un peu extrasensorielle, bizarroïde, quoi. Ah, Blake. Papy. Catherine. Catherine. Notre mère. Elle est juste éclatée au sol. Et on est censé se mettre là. D'accord. Enfin, attends. Nous ne t'attendons pas depuis très longtemps, mon enfant. Il est tout bizarre. Et pourtant, cela semble être une éternité, une soirée sans fin. Tu as avec toi la bague de ta mère. Ah, le bijou de Marie-Madeleine, ton héritage. La beauté, la vertu de cet instant de grâce emplissent mon cœur de plusieurs fois millénaire.
Assieds-toi, Kay. Rejoins ta famille. Ok. Blake se contorsionne désespérément sur son siège. C'est, on le voit enfin, Blake. Et attends. Vous précipitez... Ah, vous pri... Merde. Vous précipitez vers Blake, mais Papy vous intercepte et vous bouscule pour vous faire tomber par terre avant de retourner tranquillement auprès de l'hôtel. Toi, je ne t'attacherai jamais, ma chérie. Mais Blake ne sait pas ce qui est bon pour lui. Viens t'asseoir auprès de ta famille, s'il te plaît. Mais du coup, est-ce qu'on est obligé? Ah, ouais, ouais, ouais. La sphère flotte au-dessus de la tête de votre mère immobile. Oh, d'accord, oui, oui. Attends, est-ce qu'on peut parler là? Vous revoyez votre mère pour la première fois depuis 5 ans. Son corps ne ressemble en rien à la femme dont vous vous souvenez. Bah ouais. Mais du coup, c'est quoi? C'est des extraterrestres qui ont eu... Une sorte d'extraterrestres bibliques qui ont pris possession de la mère et qui ont fait tout ce trip bizarre là. Enfin, de toute façon, je suis obligé de... Ouais, ce soir, on est obligé de s'asseoir, quoi. On peut juste faire ça avant. L'homme du fossé est persuadé d'avoir connu Jésus et d'avoir reçu de Marie-Madeleine l'ordre de conduire la descendance du Christ vers les étoiles. C'est dans ce but qu'il a décapité Kenner John, volé le vaisseau spatial construit par les disciples de ce dernier kidnappé votre frère. Mais là, ils sont en train de partir en cacahuète. C'est également lui qui a placé une bombe dans l'unité de craquage catalytique de la raffinerie, causant ainsi l'explosion qui a tué votre père. Oui, bon, ça, oui. Votre mère a vu quelque chose sur le lac. Papy veut mettre la main dessus. Papy pense que l'orbe est en mesure de guider votre famille vers une civilisation chrétienne extraterrestre. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Voilà, c'est ça. C'est bien des extraterrestres chrétiens. Non, mais c'est... Bon, après, encore une fois... J'ai du mal à comprendre le truc. Parce que quand on parle toujours des extraterrestres, on les imagine toujours un peu nos semblables, ou alors les petits gris, ou les extraterrestres de Roswell, mais ça peut être plein de choses. Et là, qu'il y ait des extraterrestres qui soient chrétiens d'une autre planète, je trouve que ça fait un peu exagéros. Bah, de toute façon, du coup, on est obligé. Parce que, regarde, au pire, hein, même si on se casse. De toute façon, là, on est obligé d'aller là ou là. Ah, c'est quoi, on peut se barrer? On peut sauter? Ah! Ah! Alors, attends. C'est bien ce que je pensais. D'accord. Donc il y a ou monter dans la fusée ou alors on saute. Tu sais quoi, vas-y, on va sauter. Je le sens pas, leur truc bizarroïde. Par contre, on essaiera les deux. Allez, on tente de sauter. Plonger seul dans le lac. Oui. Vous approchez de la rambarde. Bon, ça, je pense que c'est la mauvaise fin. Hein. Mais ah, félicitations, vous avez terminé le jeu. Vous plongez dans l'eau alors que l'arche est comme prise de spasmes et de convulsions. Allons chercher refuge dans les profondeurs du lac. Alors que vous nagez en direction de la rive, le vieil homme vous appelle. Vous retournez vers le vaisseau spatial vibrant de toutes parts. Il se tient au niveau de l'ouverture, où vous avez sauté, vous regardant en fronçant les sourcils. Mais son expression devient vite horrifiée, alors que le sas se referme autour de lui, telles les paupières d'un œil. L'arche commence à décoller lentement, pesamment. Comme si cela lui demandait un énorme effort. Vous entendez des cris de rage et de protestation s'élever dans les marées, mais d'un seul coup, la lourde machine bascule sur le côté et s'effondre violemment. Expirant brusquement,
pour vider vos poumons, vous plongez au fond de l'eau alors qu'un véritable ouragan de feu se déchaîne sur le bayou. Lorsque vous émergez, vous nagez vers une île proche et vous hissez difficilement sur la rive à l'autre à cause de la boue. Puis, vous vous dirigez vers la raffinerie brûlant à l'horizon. D'accord. Donc. Ah bah ça va, c'était pas très long. Ouais, donc ça, je pense que c'est pas la bonne fin. En fait, on a évité la fusée. Bon, la fusée, c'est Crashos. Et tout le monde est mort. D'accord. Parce que du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y avait le choix de chapitre. Donc je parlais de faire d'autres choix. Oui, en fait, ouais, ça servait à rien de faire mes multi-sauvegardes. Du coup. Ah ouais, ça a vraiment pas sauvegardé du tout la fin. On va pas sauter. Parce qu'en fait, là, s'il y a vraiment ce délire de l'orbe mystérieuse, soi-disant religieuse, parce que Catherine, attends, elle parlait pas. C'est l'hôte qui est parti en cacahuète. Il l'a posé là, attends, vous voyez, là, son corps ne ressemble en rien à la femme dont vous vous souvenez. Mais du coup, il a foutu ça, il a fait un... Il est contaminé, le mec, de son corps, on voit sa gueule. Oui, c'est la folie du gars qui croit qu'il y a un truc biblique et tout là-dedans. Bon, l'orbe peut-être, hein, parce que l'orbe, elle est quand même extraterrestre. Il a foutu la mère et il a séquestré le mec. Il est sûr que la famille, là, c'est la famille... la famille choisie, l'élite, l'élu. Sauf que lui, il veut pas. Avec ce potentiel. Ouais, de ça, je peux pas l'enlever. Alors, est-ce que du coup, on va avoir une autre fin? Écoute, on va essayer, on aura l'autre fin. Vous approchez du siège en vous regardant Blake, qui vous fixe totalement paniqué, puis vous asseyez. De toute façon, théoriquement, là, on va avoir. Là, bah finalement, c'est là, on a une mauvaise fin, on va tous mourir, quoi. Très bien, mon enfant, je sais bien que vous avez peur tous les deux, mais vous devez être fort. Votre courage sera récompensé dans le mode qui nous attend. Oui, on va jamais décoller, je pense. Papy porte à son oreille le talkie-walkie qu'il tient à la main. Garrett, mon garçon. Bruce, je vous écoute, papy. Et Pata, bien compris. Inspirez profondément, mes amours. Nous laissons définitivement cet endroit derrière nous. Est-ce que ça va marcher? La salle semble s'animer dès que le sas se referme. Aussitôt, de petits bras articulés jaillissent de votre siège, sans vous laisser le temps de réagir. Ils se referment sur vos jambes et vos bras, vous plaquant au dossier. Vous sentez les mains du vieil homme poser une couronne sur votre tête, alors qu'une lueur aveuglante emplit tout votre champ de vision. Tous vos sens vous semblent hurler, et puis soudain, c'est le silence. La pression que vous sentiez peser sur votre poitrine se dissipe subitement. Tandis que le passé et l'avenir fusionnent en un unique instant d'immolation, et vous devenez un être de lumière pur et brillant dans le ciel au-dessus de Norco. Bizarre les fins. Alors les fins, par contre, j'aurais vu un truc un peu plus foufou, par contre. Tu vois?
J'aurais vu un truc un peu plus foufou sur la fin. Bien le jeu, honnêtement, bien, des bonnes idées. Avec l'arche et tout ça, tout se tient. Mais j'avoue, la fin, j'aurais préféré même avec des petites animations, vraiment, qu'on sache vraiment du coup s'ils sont partis. Après, c'est pareil, hein, c'est ouvert à interprétation. Comme là, ils partent en lumière, c'est ce que finalement, en décollant, ils ont explosé. Ils sont tous morts. Et qu'on ne saura pas vraiment du coup qu'est-ce qu'était l'orbe, la fameuse orbe extraterrestre, soi-disant chrétienne. Est-ce que tout ça, c'est la folie des gens? Est-ce que c'était vraiment, vraiment vrai? Et ils sont vraiment devenus des orbes eux-mêmes, peut-être. Voilà. Bah, en tout cas, 2h46 de live, mais il est fini. Nous avons terminé Norco en 5 parties. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Donc on se retrouve normalement jeudi. Et on commencera un nouveau jeu. On verra qu'est-ce qu'on va faire. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à follow la chaîne. N'hésitez pas à aller follow aussi la page YouTube qui est dans les commentaires. Enfin, qui est dans le. Qui est sur ma page Twitch. De toute façon, sinon vous cherchez Cradle of Gaming et vous trouverez.